Nexo. Là, ça fait 10. Voilà, on passe. Oh, 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 oh. Le savon, c'est comme tout, faut le cultiver. Oui, on peut pas pour l'instant, c'est pour ça que je fais ça. De toute façon, on sait ce qui va se passer, on va débloquer ça et on va aller dans la zone tout à l'heure où c'était trop haut et qu'on pouvait passer. Hein. Ouais, ouais. Ça va être ça. Hein. Ça va être du ça. Hein. Et puis ça sera fin du jeu. Ah ouais. Oh non. C'est là-bas. Le jump, c'est la vie quand même. Qu'est-ce que tu racontes, Dalsim? Ouais, vu que j'ai pas les HP, j'en ai aucune idée. C'est ça qui est chiant. Après, ça prend, mec, je crois que c'est une ressource de luxe, hein. Non, tu deviens fou, frère, c'est trop nul. Non, c'est rien. C'est la plus chère. Je crois que sur Seal, c'est une dinguerie. Alors, je crois que... Ouais, normal, c'est vraiment le plus. J'ai clic droit, il a lâché. Pourquoi il a lâché? Oh, Arc, vrai, je n'ai pas de flèche. En vrai, Kenny, ramasse et garde pour toi, hein, en revend. Pour le bon coin, mec. On s'en fout du up. Moi, oh, j'étais là. Il parle plus, il est trop focus. Je cherche du non, safran. Non, mais de quoi, de quoi? Non, le safran, c'est cher, garde-le pour la vraie vie, mec. Ouais, c'est... Oui, oui, c'est vrai, mais bon, vas-y. Hein. Là, bah là, on est dans la merde, parce que là, toutes mes ressources sont hyper loin. En fait, j'ai plus de flèches, je me suis retrouvé avec une Weaver une sur moi, sauf que je fais pas de dégâts au corps à corps. Et j'étais obligé de taper au corps à corps. Bon, c'est... Attends, mais c'est quoi, la merde. Ah non, je suis trop loin, frère. Bien. Comment ça, comment ça, t'es trop loin, mec. Non, je te jure, je suis rentré. Oui, oui, d'accord, t'as le truc de fly, mais bon, genre là, c'est vraiment infernal. Hein. J'arrive. Je vais crever. J'arrive, je suis amoureux, de toute façon, viens. Mmh, 18. Je vais être ton chevalier pour la journée, mec, viens là. Mec, du safran là, j'ai du safran, mec. 30 000 euros le kilo, le safran. Pardon? Attends, mais pourquoi je stream? Oh, même si c'est trop tard, hein. T'es pas en train de vendre du safran, hein. Ah si, si, je veux vendre du safran, t'es un fou, toi, hein. Ah bonne chance. Je voulais faire que ça, hein. Hmm. 30 000 balles le gramme? Non, le kilo. Hein? Ah, le kilo? 30 euros le gramme. Ok, moi hein. Les chapelles. Ça se fume? J'ai arrêté, mais je fume ainsi, faut. J'en ai 3, Kenny, j'en ai 3. 3. Ouais, 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 c'est insupportable. Insupportable, ça prend trop de temps. J'ai, genre, j'en ramasse. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs qu'on connaît pas là? Ouvrir une grille avec du fer.
J'ai actuellement 20 étincelles sur moi. Oh oh. Oh, semis de plantes grappins. Oh là là, ok. Bon. C'était du safran, ce mec avait une ferme avec des trucs. Non, oh incroyable. Mec avait une ferme avec des trucs, genre masse. Je suis à la tour des anciens. Oh là là. Tu veux qu'on vienne ? Bah ouais, en vrai, comme ça on l'a fait, vous pouvez la faire là avec moi. Je suis. Ça met un big TP du coup. Et ça nous permet, mais mec, c'est sûr que t'avais le droit d'y aller. En fait, ça nous permet d'aller dans la zone au sud. Je suis quasiment sûr de ça. Ok, du coup là il y a une ferme, il faut vraiment la farm du coup. Kenny, là où je suis, il y a des plantations de safran qui respawn du coup. Ok. Voilà. Bon, bah, ouais, attends, permets-moi de passer à la maison pour que je pose tout ce que j'ai ramassé, notamment les étincelles et tout. Franchement, s'il te plaît, lui permets pas de passer à la maison. Je te permets, la pile. Ah! Alors, on va voir si c'était par là. Je croise les doigts. Je croise tout là. Croise. Combien? Non, le pot, je prends combien? Je sais pas du tout si c'est là-bas mon truc. Ah, c'était vraiment pas là. Par contre, c'est quoi ce cadavre là? Du coup, c'était pas le mien. D'accord, c'est un bug, ça fait plaisir. Et non, du coup. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Est-ce que t'as réussi à avoir les glandes du coup, c'est ça? Bah je sais pas combien j'en ai puisque j'ai pas mon cadavre. Ah ok, pas grave. Ah merde, okay, je viens te le chercher. Bah non, je vais y aller maintenant, enfin depuis tout à l'heure j'y suis, donc je vais le finir hein, mon épopée là. Alors la tour dont tu parlais c'est là où t'es. Quel enfer. Pour respawn dans le jeu sauf une minerai. Ouais ok. Et c'est un peu étonnant ça, parce que je pensais que ça respawnait pas, j'avais ouvert des coffres. J'ai trouvé du safran, t'en as combien de juice? J'en ai actuellement 12. Ok, pas mal en vrai. Ah ouais, d'accord, t'es mort ici. Bah en fait, ouais, là-bas, ouais. Je vous laisse poser un TP parce que je peux pas faire ce que vous faites, vous êtes trop fort. Bah moi j'avoue, j'ai rien, je cours à pied quoi. Mais il faut que t'ailles te reposer aussi, je pense. En vrai, je faire ça sans le reposer, c'est impossible aussi. Oui, je l'ai enlevé. Ça m'a sauvé. Oui, mais même avec le, enfin sans le reposer, vraiment, c'est trop dur. Ça franc, j'en ai 22 perso. Ok. Du coup, ça fait 32 lol. Ok. 32. Merde, c'est quoi ça? C'est du sable. Tu veux que je pose un truc? Je pense que je peux poser un truc. Oh. Donc, toujours sur moi. Quoi? Est-ce que j'ai le droit de poser ici? C'est ça la question. Ouais. Oh putain les gars, je viens de capter un truc là. Il y a 8. On peut miner les routes de pierre et les routes de terre. Et ça nous donne des blocs de routes de terre et des blocs de routes de pierre. Sachant que déjà ça nous fait un sol un peu plus stylé pour poser des blocs de route au sol pour faire des vraies routes. Et que ça nous fait aussi consommer moins d'endurance quand on court dessus. Juice. Et c'est assez cool. Détruis la maison si tu peux. Tu peux te TP à la maison. Là, la maison où t'étais là, il y a 2 secondes. Attends. C'est un moyen. La maison où j'étais il y a 2 secondes. Ouais. Oui. Kenny, hein, je sais pas. Oui, c'est bon, tu peux la détruire s'il te plaît. Peut-être tu fais éteindre la flamme, ils vont te demander de valider. Je vais dormir à la maison pour passer la TP. Ok. Ok, force, j'ai réalisé après. Est-ce que c'est bon? Non, le jeu est pas bloqué à 60 FPS. Ouais, c'est j'en ai 120 là. Nice, merci. Ça compte direct. Putain, c'est trop marrant. C'est Ren aussi qui a raison. Est-ce que tu peux faire un quoi, truc, Juice? Tu peux cancel l'annulation? Oui, je pense. Cancel l'annulation. Ouais, c'est bon. Trop marrant. Ah, du coup, on a glitch le truc. Ouais, on a overlap. 9 sur 8. Désolé. Vas-y, tu peux te TP. J'ai posé un truc. Débarre. Ah, c'est trop marrant. Putain, moi, je kiffe trop ça. C'est vraiment ce qui me fait trop marrer dans le genre de... Il y a une étincelle, mais je sais pas... Vous me dites quand il fait jour, l'équipe? Il fait jour, mec. J'ai ouvert la... Enfin,
Ok, parfait. Regarde à ma gauche là, il fait jour. Hein. Ouais, je sais, mais il faisait nuit, c'est parce que je dormais en fait. Ça passe vite. Trop fort, mec. Tu dors alors qu'il est 16h? C'est quoi là? Attends, qu'est-ce que c'est ça? On n'oublie pas les jarres. Ouais, j'arrive, j'arrive. Et du coup, ouais. Est-ce qu'on peut faire. Il y a des chars là à côté en attendant? Non. Ouais, Kignon, t'as posé un TP. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est tout. J'allais rentrer, mais je me suis dit que c'est toujours mieux à faire à deux avec les petites énigmes, aussi simples soient-elles. C'est toujours plus sympa à faire à deux, à plusieurs. Bah ouais, et puis surtout, ça donne un point de compétence, quoi. Je suis pas sûr, mais peut-être. Non, mais t'as peut-être raison. Bah moi je déteste. Voilà, c'est tour. Sachez-le. Bah en fait, elles sont trop peu différentes et les énigmes sont pas assez intéressantes pour qu'elles soient vraiment sympas. Là. Genre... En fait, sans parler de ça. Ah mais j'ai pas de mune. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de flèche, moi. Let's go. Je sors sans flèche, mais j'en ai pas une seule, hein. Voilà, c'est même pas en mode j'en ai une, non, j'en ai... Attends, je ne peux même pas tirer sur le truc au-dessus là. Voilà, attends, j'en ai 10, mec, attends, j'en ai 10. Et moi, peut-être. À moins que vous ayez des brindilles, peut-être. Non, j'ai rien. Non, mais attends, c'est sur quel truc qu'il faut tirer? Ah, c'est là. Mais attends, je peux tirer, moi, je pense. Vas-y. Mais mets-toi en bas à la baguette, hein. Ou alors, oui, c'est vrai que maintenant ça te. Voilà. On a que faire avec ses spells maintenant. Où elle est? Et là, maintenant, on peut passer. C'est éternel, donc c'est fine. Oh! Ah, on peut sauter, ok, très bien. Merci. Hop là. Allez, zoubs. Là, c'est tout. Oh, du tissu vert. Ouais, bah justement. Huile embrumée, laboratoire. Ouais, je pense que c'est super fort. Tissu jaune, tissu vert. Tissu jaune, on va découvrir un truc aussi, je pense. Ah non, c'est toi qui as ramassé un truc qui permettait de faire l'huile embrumée, mais t'as pas vu l'item que c'était, je suppose. C'est pas moi, non, moi j'ai rien ramassé. Par contre, tiens, je peux te filer ça. Papier. Cuir. Porte secrète de bibliothèque, incroyable. De la base alchimique, ouais, c'est le truc que j'ai ramassé. Trop bien. Ramassé. La base alchimique, c'est bizarre, on en avait des... Là, ça. Bah, je sais pas. Base alchimique encore. Ok, on a ouvert un truc. Oh, allez. On peut sauter, sachez là. Hop là. Hein. Comment ça? Oui, bah on sait, ouais. Ouais, pas comme ça en tout cas. Hop. Allô le monde. Bon, attention à vos pieds. Ouais, avec le marteau de construction. Non. Saute. Barre de fer. Hop. J'appuie sur un bouton ici. Ok, nice. Ça nous a ouvert. Et les vases. Vous avez appuyé sur le bouton là à l'entrée du truc ou pas? Non, j'ai appuyé sur rien moi là. Je casse les jarres, j'avoue. Tissu vert, tissu alors, jaune, j'en ai plein. Je sais pas trop. Moi, j'ai ah oui, au tout début, ouais, j'ai appuyé. Ah ok, ok. Ah oui, pardon. Quoi, my bad alors. Là, il y a un truc jaune au-dessus, mais je pense que tu l'as fait aussi. Tissu, je sais pas combien j'en ai. Pardon. Mais attends, est-ce qu'on peut pas faire un truc genre. En vouloir appuyer. Voilà. Je vous intéresse. Un papier. Ah merde. On peut même pas le faire en sautant, c'est trop chiant. C'est ici. C'est pas là, non. Si, je crois que si. Ah si, parce que ça, ah, si totalement, totalement, totalement. Ouais, voilà, t'appuies dessus, et puis voilà. Ça va ouvrir ça, du coup. Ça a ouvert quoi? Là où je suis. Droite, là. Ah. Voilà. Y'a des jars. Ah bah, le truc de fin, il est là. Je vais chercher les jars de l'autre côté, moi. Bah surtout ça donne du tissu bleu machin plus, c'est un peu turbo broken. Juste là je fais zéro quoi. Enfin c'est super long d'un côté. Ouais, il y a de la pierre dans ces trucs là. C'est où la suite tu as dit? C'est là, en fait tu vas là-bas. Ah oui. Forcément. Double saut c'est trop bien sur les trucs d'escalade. Ouais, ouais c'est trop bien ouais. Tu peux juste spammer le double saut, paf 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 paf. Le rouge, le jaune. Ça va être incroyable ça. Alors, où est-ce qu'il faut? Ah bah c'est le. Bah d'accord, c'est littéralement la même salle que l'autre fois. C'est la même. Et c'est exactement le même layout. Voilà, on a déjà fait ce layout au cas où. Let's go.
Il y a un TP là où je suis. C'est bien gaze. Voilà. Ok. Il n'y a rien appuyé, il y a juste un TP là où j'étais. Là, il y a un coffre. Ah oui, effectivement. Il y a des gants, dégâts de mêlée avec une arme à une main et bloc. Et vous 23, je pense que tu veux. Là où je suis, la pille, il y a le TP. Si t'as pas vu où j'étais. Je casse les gars. Ah bah c'est fini, ok. Et non, je crois pas que... Attends, viens voir. C'est où, par contre, j'avoue que... Bah à l'étage, je t'ai dit... Ouais, il y avait plein de coffres, plein de trucs encore. Ouais, ouais, il restait 2-3 trucs, effectivement. Est-ce que du coup... Allez, je vais farmer du safran, bisous. Ouais, c'est trop fort, hein. C'est I'm trop jumping fort. Too, hein. Vous avez activé la tour, du coup? Yes, sir. Là, c'est bon, on peut se TP dessus, c'est génial. Hein. Attends, mais du coup, ça voudrait dire qu'on peut passer au-dessus de la zone rouge? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais ce que je disais à la pied, en fait. En gros, pour moi, c'est pas un upgrade nécessaire. Ok, ok, fallait faire la... Ouais. Glitch, c'est une chose, mais la réalité... C'est pas un glitch, là. C'est un planeur depuis une tour qui existe. Tour, et juste, toi, t'as pu le faire avant parce que t'avais le truc glitché. Mais en fait, on peut le faire avec ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un glitch. C'est en fait, juste... en prenant la tour, tu peux passer. Quoi. Exactement. Par contre, la zone après, c'est chaud. Ah oui, là, on va pas à gauche, par contre, effectivement. Là, c'est sûr, c'est de la brume où on peut pas aller. Ouais, là, en dessous, là, où il y a le puits d'exil, non, c'est mort. Tout à fait. Là, par contre, là, c'est une zone où on peut pas aller. Oula, c'est safran. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Where is the safran? Ouais, je te jure. À la recherche du safran. Safran! Oh non, pas encore ce fight. Des oiseaux, mais... Ça m'a pété les couilles. Oh non. Putain, j'en ai ras le cul. Ça prend l'or rouge et ouais, l'or rouge, hein. Exact. Oh là là. Non. Attends, Kenny, c'est quoi? On va le faire ensemble, mais. Non, mais tranquille, hein. C'est rien. C'est juste, j'ai pas de flèches, quoi. C'est juste ça. J'ai pas pris le temps de me refaire des flèches. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Je suis gaze. C'est tout. Ni dans le désert, il y a des brindilles. Non, juste foutu gaze. Non, don't be gaze, what the fuck. I am gaze, man. It's fine. We gonna arriver to do what we supposed to do. Je l'ai. Really true. Non. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est pas lèche mais le skin est magique. Enfin genre le skin est trop stylé mec. Une épée. Ah. Une épée. J'aurais pas dû le pull. Je regrette. Horrible arme. Alors ça fait quoi? 9 dégâts tranchants, 9 dégâts magiques de feu, 9 dégâts perforants. Chance de critique 5%. Arme violette 25. La dingue. Ok, ça marche. Joli hein. Ah joli hein. Je regrette amèrement. J'aurais jamais dû faire ça. Ok. Il y a celui dans le trou de... C'est la fin? C'est terminé? Yes, he's mort. Yes, he's more. Yes, he's more, il était dans le truc. De la planète. Oh là. Le regret des regrets là, hein. Clairement. Ou le regret. I didn't do the good thing. It's pas grave. I'm gonna rajouter tomate. Alors, du safran, on est en... Je sais pas à combien on est exactement. T'as d'un combien, Joe, sur toi? Ah non, mais t'es mort, du coup, tu vas chercher ton cadavre là, c'est ça? Non, j'en ai ramené à la base, j'en avais une dizaine, je crois, quelque chose. Ouais, il nous en manque pas des masses, hein, c'est bientôt fini le safran. Et encore heureux, frère, j'en peux plus déjà. Safran. Le safran. Ça marche, Thiebo, je savais pas.
I'm trying to ramasser Brandy for the friend Kenny. Oh, c'est ok, il y en a plein à la base. Hein. En vrai, c'est juste j'ai fait le flemmard. T'en fais pas, frérot. D'accord. C'est gentil. Bah, t'as une bonne à ramasser quand même. Oh putain! Saffron. C'est quoi ça? Paf! Oh my gosh, saffron, two here. Oh, double saffron. Double saffron, saffron vraiment chier, hein, vraiment. Saffron vraiment chier. Oh putain, mec, plus deux encore. Oh là là, let's go. Oh, une troisième. Oh là là, mec, attends, c'est bientôt oh fini par contre. Oh là là, c'est le saffron. Eh, je vais travailler dans ça. En saffron? Je vais juste trouver du saffron. Oh putain, mais c'est une folie. Tu te régales, toi, hein. Mec, je suis les pieds full saffron. Ça fera bien, moi. Qu'est-ce qu'il fait, Lapi ? Parle plus. Il est en train de. Il est en train de build là. Ok. C'est... On dit pas, mais. Je ramasse, okay. Je ramasse toujours les étincelles. Je check des trucs. Là, je suis toujours en train d'essayer de farmer pour mon truc. Ok, voilà. capté. Oh, encore du safran. De toute façon, là, vous farmez le safran, mais il faut aussi les étincelles. Donc. Les étincelles, on a assez, non ? Ouais, c'est fini les étincelles. Ouais. J'ai trouvé 3 safrans d'affilée, mec. Bah, mec, écoute. Je crois qu'on est bon, non ? Bien parti, là. Bah, ouais, vous en avez combien ? Parce qu'il faudrait en faut 30. Il en faut 40. 40. Okay. C'est 40 safrans. Et c'est officiellement le truc le plus chiant qu'on ait eu à farmer depuis le début, je pense. C'est insupportable. Ça me donne envie de péter un plomb. Oh, safran ! Encore du safran, encore ! Eh mec, je ne ramasse que ça maintenant. Ouais, vraiment, ça met bien en vrai. Y'a le safran ou y'a du safran là ? Où ça ? Donne. Ici, j'en ramasse, mec, encore. C'était un plomb par contre. Ok, ok. Allez, je me fais un. Oh putain, non ! Attends. Ils sont où le safran ? Là, je n'ai vu. De quoi ? Les gens me disaient plante le safran, mais on peut pas, tu l'as déjà dit. Ouais, on peut pas. Enfin, on peut, mais pas pour l'instant. Mais comment ça se fait qu'on puisse pas ? Parce qu'on a pas la nitrate. Il faut probablement faire un truc d'alchimiste pour avoir les options là vers la nitrate. Il faut faire l'anatone, je sais pas quoi là, tu sais, le. Enfin, t'as capté. Ouais, mais quoi. Que, les opticiens, mec. Là, il manque rien du tout. Hein, il manquait du bronze. Voilà. Il manque une barre de bronze que j'ai et 4 graisses que j'avais pas. Bah go. Si on le pose, on peut faire le nitrate. Mais globalement, là, de toute façon, le safran, on en a formé assez au sol. Donc ça, c'est bon, tout est fait. Rater un safran, je suis tilted. Ah ouais, s'il en manque un, je pète un plomb. Ah non. Ok. Non, les oiseaux, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me bully. 22... 30. Est-ce que t'en as 10, Jous, du safran ? Mec, je crois que j'en ai genre 8. J'en ai 8 là sur moi. Oh non. Il en manque combien ? Il en manque combien ? 10. Il en manque 10 ? Ah non, on est je peux upgrade. J'upgrade ? Vas-y, hein, vas-y, upgrade. Hein. Boum ! Mec, c'est toi. Hein. Let's go. Let's go. On est au niveau max de flammes. Allez, feu. Ouais, niveau max. On peut passer, je crois. Ah bah, les flammes rouges ont disparu en stance. Ouais, toutes les toutes les trucs rouges, je pense, sont... Objet, je suis niveau 45. Ouais, c'est ça. Ah. Objet ? Allez, mec. C'est marrant, par contre, comment ça marche, c'est physique sur la map. Ouais, si tu le vois aussi, c'est ouais. C'est drôle, ça. Et du coup, oui, on pourra pas aller dans la zone au sud, là. Il y a une zone au sud dans laquelle on pourra pas du tout aller. Et on va forcément se retrouver Keblo. Bon, bah écoutez, on fait quoi ? On va dans la zone au sud, là ? Temple du soleil et tout ? Bah ouais, je pense. Laisse-moi juste... Oh. Oh, mais ils sont trois shells, ok. Ah ouais, je dois d'abord ramasser tout ce qu'il y a à la maison, là. Oh, 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 dans une heure. Dans une heure, mec. Je dois ramasser, merde, replanter, là. Est-ce que vous voulez que je pose un TP quelque part ? Bah, à côté de l'endroit où on doit aller, ouais. Et ouais, je vais devoir, vous... Comment ça... Ouais, je dois rentrer à la maison aussi pour poser des... Je ramasse le lin, donc dans une heure. Vas-y, je vais rentrer aussi à la maison parce que bah je vais rentrer à la maison. Donc c'est bien ce que je pensais, on était à un tiers de terminer en gros le contenu du jeu. Ah
Alors, réparation. Je vais mettre cette épée là-dedans. Ah, si vous voulez que je vous mette un TP, il faut me détruire des bases. Les frérots. Est-ce que Juice, tu peux détruire la base qui est... Je sais pas si ça te fait chier de TP. Attends, je m'en occupe si tu veux, Lapi. Tranquille. Regarde, je vais faire celle de la base à la maison, je vais faire détruire et je vais annuler. Attends, quoi? Non. Mais si, non. Et puis j'annule. Mais non, parce qu'il faut en détruire deux. On est à 9 sur 8. Et en fait, il faut détruire celle qui est à la tour des anciens, là. La tour des anciens, il y a deux maisons, du coup, bah celle que j'ai demandé à Juice de détruire et celle que j'ai craft. Ouais, je vais y aller, je vais y aller. Il faut juste que je pose des trucs, alors... Je ramasse tout. Si, merde. Il faut détruire ces deux-là, et en vrai, les recraft pas. Et comme ça, je pose un TP à un endroit cool. Et on sera bien. Par contre, si l'endroit est pas cool, je le fais plus. Voilà, je le dis. Je vais crever, frère, je pense qu'on en a assez toutes les plantes, c'est tellement long. Courage, mec. C'est le meilleur. Ouais, je te jure, avec une faucille là, je serais trop heureux. Bon, on a combien de lin? On en a 170. C'est pas logique, j'en ai planté 170. Alors, je vais délaisser celle-là. À part. Ça double en plus les cannes à sucre. Il y a 50 dans ma barre. Ah, on a 220. 220 de lin. Et du coup, je vais prendre un petit 20, je le divise en deux et le reste, les 200, je les mets là-dedans. Mais enfin. Voilà, 1h39, les 200 pour faire 100 lin. Voilà. C'est bon, tu peux gagner. Oh, je suis mort, ouais. Ah non, c'est même pas 100 lin, ça va faire 200 lin parce que c'est un point. Tu sais combien t'as de... Est-ce que tu saurais me dire si t'as assez de poison? T'as détruit les deux là? Ah, t'es le boss. Je sais pas. Je suis en train de ramasser des trucs là. Ah ouais. Je suis la tête dans mes plantes. Faut utiliser le bâton de mage. Je devrais pas mettre plusieurs. Ouais, je vais en mettre plusieurs, mais faut que je relance. Faut que je relance le lin, que je replante le lin, que je remette de l'eau. Attends, j'ai des trucs à faire là. Est-ce que tu dois relancer ton live aussi ou pas, hein? Je vais relancer mon live, je vais raid Juice. Ok, bah ensuite moi j'arrête mon live, je raid Kini qui est plus en live. Voilà, exactement. On fait ça. Et c'est on nickel, fait hein. Ça, vas-y, let's go. Et c'est nickel. Alors, eh non, c'est le rouet, c'est là-bas, non? Donc là, il y a Lapi qui part en aigle, là. Pour aller mettre une base. Non, c'est pas là. C'est toi qui fais le rouet. Stay safe. Non, c'est toi. C'est qui fait le rouet? Always keep moving. C'est toi le rouet? Ou c'est moi le rouet? Ta-ta-ta-ta. Voilà. Voilà, hop, on en met 10 là-dedans. Nickel. Et on en met 10 là-bas. Et c'est bon. Deux rouets qui tournent, avec chacun 50 minutes de crafting, ils font du lin, et on va pouvoir relancer du tissu derrière. Qui est, en fait, voilà, n'oubliez pas que si jamais vous jouez les mêmes spé sur votre serveur local avec vos potes, volez-leur le stuff, parce que sinon vous ne pourrez pas jouer votre spé comme vous le voulez. Exactement, voilà. C'est bien résumé en vrai. Ah, donc jouez bien avec des gens qui ne jouent pas la même spé. Sinon vous allez devoir tout voler, enfin, c'est super chiant quoi. Sinon vous jouez tout seul et c'est mieux. Sinon vous jouez pas. Vous volez à vous-même. Ou vous jouez pas en effet. Vous jouez pas et puis vous, enfin, ça s'arrête là quoi globalement. Vous jouez peut-être pas jouer hein, après. Hein. Il y a 15 glandes de poison, sac à poison. Donc t'as assez. Lapi. Du coup c'est assez. Merci chef. Ouais. Alors là on attend qu'il pose son pété. Oui. Je viens de ressusciter. Voir. Vous pouvez prendre un stack de canne à sucre si ça vous intéresse dans... Ah, tu veux bien en prendre, je veux bien. Je veux bien que tu le prennes toi-même, c'est possible, mais si t'es loin, je m'en occupe, je te l'amène. Non, t'inquiète, j'arrive.
Il y a encore de la brume rouge si vous avez la dernière flamme. En fait, c'est une alpha quoi. Enfin, c'est une. Une early access. Donc en gros, la brume rouge après, c'est les brumes de. Anti-early access quoi. Améliorer l'équipement, c'est un fou. Est-ce que tu l'as mis dans un coffre spécial? Non, c'est dans la pépinière qui a collé à la maison ici là, là-bas. Yes, sir. Voilà, la première. Yeah. Et du coup, tu peux récupérer un petit stack. En fait, je les multiplie comme ça, on a full canne à sucre tout le temps, on est trop bien. Merci monsieur, vous êtes un génie. Bon, on n'aura pas trop utilisé le four, ça me rend un peu triste. J'aurais bien aimé faire des soupes ou quoi, mais c'est pas grave. Je suis un peu un nerd de ces trucs-là, moi j'avoue. Mais tu peux, hein. Oui, mais c'est gaze. En fait, là, le pain, et on n'a pas de blé et tout, d'ailleurs, tu vois, genre, la farine, je sais toujours pas comment on fait la farine, c'est probablement dans la pierre à aiguiser, là. Non, même pas, voilà. Donc, non, FF, pas, mec, c'est pas grave. FF. Oh, l'épée enflammée de zinzin, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ouais, c'est moi qui l'ai mis, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais y'a rien, y'a pas de passif, c'est ça? Ouais, y'a pas de passif. Non, mais elle est très jolie par contre, ouais. Ouais, là, le skin est beau. Elle est où? Offrir à Kenny. Ah ouais. Moi, je suis un chien là. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si Just tu veux ça, mais je pense que c'est cool pour toi. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, putain? Peut-être pas, hein, mais. Ben. Ah, ça sert à pas ça. Pas mal, mais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je prends. Merci. En fait, entre. J'arrive pas à savoir si 4% de dégâts en mêlée est mieux que 12% de dégâts en mêlée avec une arme à une main, donc oui. Ouais. Ça me paraît ok. Ça paraît ok. Je pense que c'est ok. Météore de brume, c'est des dégâts. Putain, mais comment ça. Ouais, ça c'est une. Wouf, wouf. Mettre ça là. Je vais juste recrafter des hôtels au cas où. Hop. On a recraft des hôtels, ouais. Ça. Temps maximum utilisé. C'est mieux qu'une moins zette, hein. Rembourrage, on en est où? Le rembourrage, bah on est en train de faire du lin pour en faire, il me semble. Yes, Kenny a tout lancé, il a dit que ça prendrait 6 jours, je crois. Ouais, c'est insupportable. En gros, on fait du lin, après il faut faire du tissu. Je peux pas en faire plus, voilà. J'ai plus de brindilles, les gars. J'ai pas planté mes 300 de tout à l'heure, donc. T'as plus de brindilles? Non, en fait, c'est trop épuisant de planter 300 trucs à chaque fois, je sais pas comment dire. Bah, j'imagine, mais c'est pour ça que, genre, en fait. Donc, malheureusement, j'en ai planté que 150, ce qui fait que malheureusement, je n'ai que 400 flèches qui vont partir sur la moitié d'un donjon, tu vois. Je comprends. C'est trop dur. Mais il faut qu'il fasse un truc pour que ce soit un peu plus simple, parce que moi, personnellement, je n'aurais jamais arché. Ouais, c'est à chier. Hein. C'est officiellement, enfin, c'est pas à chier, mais c'est trop dur. Si tu veux, on peut échanger de spé. Je te donne tout ce que j'ai et tu me donnes ce que t'as et je vais faire les Non, t'inquiète. C'est pour que ça change un peu. Non, t'inquiète. Je vais. En fait, il me faut surtout le stuff et j'aimerais bien tester le truc du voleur, mais je testerai plus tard. Tu veux mon stuff? Non, t'inquiète vraiment. Mec, je suis prêt à tout te donner. Mais non, laisse-moi tranquille. Je te donne tout. Mais j'ai pas d'argent, monsieur, arrêtez. Je te donne. J'ai pas un euro dans mes poches. Argent. J'ai pas ma carte, j'ai rien. J'ai rien, laissez-moi tranquille. Je te donne tout, je suis en train de dire. Et du coup, il manque 3 sacs à poison, c'est ça? Oui, t'as des sacs à poison sur toi, mec? On est pas un. Ouais, on a. Okay. Pas grave, il y en a là où on doit aller. Du coup, vous voulez aller faire la suite ou pas? Bah, de ouf. Je peux aller pipe avant? Hein. Bah, ouais. Non. Faire des sacs à poison, du coup. Là, j'aimerais que tu. Attends, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, va pipe. Je reviens. Je vais aller tuer des scorpions vite fait, du coup, en attendant. J'en ai 3 à tuer. Du coup, faut juste que je cherche des scorps. Et après, on est bon. Voilà, de bord de la falaise. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais dit. Oh putain, je viens de lui faire peur là en passant en couleur pour les pips. Il a sursauté, le pauvre. Il s'est repips dessus, je pense. C'est pips tout court. Il s'est pips dessus. Là, ouais. Juste là. Oh, c'est quoi, racine de brume?
Ouais, clairement. Un perk pour avoir des tirs gratuits, je pense pas, mais il faudrait genre une sorte d'arc enchanté qui envoie de la magie au lieu d'envoyer des flèches, quoi. Non, mais c'est comme les spells. Les spells devraient être forcément éternels, devraient être scalables, et voilà. Parce que moi, j'ai eu le même problème que lui au début, hein. Sauf que, heureusement, il y a des spells éternels, et ça va, tu vois. Au début, je pétais les... Ok. C'est quoi ça, hein? Augmente les dégâts de poignardage, c'est dans le dos, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les dégâts des stocks. Ah, ok. J'ai eu un bâton. On est embrumé. Est-ce que c'est toujours les mêmes stats? Il est parti pisser pour toute la population de Montpellier. Je crois. Équipé. Démantelé. Je vais même démanteler ça, j'en ai plus rien à foutre. Hop. Démantelé. Re, ok, c'est bon, je suis là. Il faudrait des flèches éternelles. Ouais, ce serait bien. C'est vraiment bien. Là, ça pète bien les couilles. Surtout qu'en plus, ce qui est chiant, en fait, c'est que les points de stats... En fait, c'est con. Moi, je trouve ça con. Parce qu'en gros, les points de stats qui augmentent dans la branche archer, c'est des points d'endurance. C'est pas des points de trucs qui augmentent les dégâts des archers. Donc, en fait, t'es trop dépendant de tes flèches. Donc, c'est nul. Donc, c'est très nul. Mais c'est bizarre, hein, qu'ils aient pas fait un truc... En fait, ils y ont pensé vaguement, entre guillemets, pour le magicien... Même si ça arrive à... Oh putain, il me faut un dernier... Mais si, ça augmente les dégâts de distance. Scorpion là, vite fait, et venir... Putain, faut que je fasse... il me faut juste un scorpion là, j'arrive. Ou alors, faut que je me fasse... faut juste que je fasse gaffe à mon stuff et que je me fasse un stuff full dex. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Ça reste un problème, quoi. Ouais, comme j'avais dit, un talent qui dit que t'as 25% de chance de pas utiliser de flèche. C'est oui. Réglé. Le tank, on arrive avec Kenny, tu peux me. Ouais, merde. Le tank, on arrive. Non, mais j'ai besoin d'un scorpion. Lapi ? Oui. Tu peux aller récupérer un stack de canne à sucre dans la pépinière. Déjà, t'inquiète. Ok. Parfait. Je vais juste fumer un scorpion et faire un aller-retour si ça vous dérange pas. Démolis ça, ouais, vas-y. Et on est là. Ouais, mais du coup, dégâts de poignardage en bâton, c'est... Ça dégoûte. Oui, c'est énervé, hein. Mais ça marche, hein. Mais ça dégoûte un peu, quoi. Ça dégoûte. Pourquoi ça dégoûte? Bah, être dans le dos, en mage, ouais. Ça se fait, hein, mais... Est-ce que ça fait beaucoup plus mal? OMG, ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, le niveau de weapon est important quand même, hein. Ok, j'arrive. Et après, on fait ce que vous voulez. Tac. Comme ça, je vais pouvoir faire mon spell. Trop gaze, hein. Je pense que le chasseur du cerf, ça met une vitesse à l'autre, hein, mais bon. Il y a des gens qui ont utilisé. Ah non, il y a des gens qui ont utilisé les barres de bronze. Ouais, ok. Non, du tout. Moi, j'en ai utilisé un peu pour faire un deuxième truc, sinon c'était 3 heures de tissu, et du coup, c'est 1 heure et demie là. Il t'en faut. On a peut-être de quoi faire, faut le chercher dans les coffres. Hein. Il en faut 2. Ok, bah je cherche. J'en ai posé 2. Mais. Pif pouf. Et il faut des tas d'argile, mais après on peut aller faire le truc, hein, on peut aller faire la tour et tout tranquillou et faire. Regarde, non mais on va le faire, regarde, barre d'étain, on en a, je prends des barres de cuivre et je lance un truc de bronze et comme ça tu l'auras quand on revient. Ça roule. Et là, il faudra là, des tas d'argile, mais je sais pas comment on fait. Bah il faut farmer de l'argile, c'est tout. Ouais, mais je sais pas où c'est justement. Faudrait que tu me dises si tu peux. Ouais. Et ensuite, pour... Je vais aller en farmer, de toute façon, moi j'ai une meilleure efficacité avec ma truc et tout. On aura tout, il faut juste garder le cuivre et les briques.
Et une fois qu'on aura les bronzes et l'argile, ce sera bon pour avoir le lab, et le lab permettra de crafter les spells et tout. Que... Il nous faut du cuivre, t'as dit ? Non, on a pile poil ce qu'il faut, c'est ça que je veux dire. Tu regardes, on a pile poil ce qu'il faut là. Ah, on a plus ce qu'il faut là. Ouais, normal, parce que je devais les utiliser, je vais en utiliser pour faire normal. Mais du coup, je vais lancer du bronze, et je vais lancer du cuivre en même temps. Vas-y, fais couler du bronze là. Je fais couler un bronze, hop, et je fais couler un cuivre, ici. Et voilà, 50 barres de fer encore là qui sont prêtes. Ok, vas-y, c'est bon, je vais dormir pour faire passer la nuit, on est bon. Ouais, ça roule, pas pareil. Ok, les éternels juste... Donc là, en gros, le seul éternel qui manquera, ce sera le heal éternel. Ok. Ok, je vais dormir avec toi. Ah, mais du coup, lui... Ok. Wouah, les dégâts. Ok, c'est bon, il fait jour. Allez, on y va. Go la suite. Notre TP, il est là. Arrive. Ouais, c'est dans le jeu la musique. Je fais des flèches de métal. Car on a beaucoup de... Ok, le problème là, c'est qu'en fait, ils sont HL là. Ouais. Ah ouais, de toute façon non mais à 3 ça ira je pense, c'est juste que j'ai... Dans un... Ok. Il est là, la Kenny, le gros là. De nouveaux repères à jouer par un bon. Au secours. Allez. Il arrive. Voilà. Ah, vous êtes en bas. Kenny, Kenny, Kenny. Ouais. Viens là, là. Ouais. Les bottes. Ouais, mais en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est... Enfin, je vais les prendre, mais c'est trop chiant. Parce qu'en gros, là, c'est encore une fois de l'endurance, de l'endurance. Donnez-moi de la dex, donnez-moi des dégâts. Que j'ai à dépenser moins de flèches. En fait, c'est trop chiant. Mais en fait, personne a... Mais pourquoi la dex? On n'en aura pas. Ah oui. Y'a rien qui me donne de la dex. Tout me donne de l'endurance. Mais nous, c'est pareil. En mais fait, ouais, y'a pas de stats. Ouais. En fait, tu ne gagnes que. Oui, mana, mais vous avez des points. Vous avez des points d'intel dans vos trucs, non? Non, pas du tout. Ah bah, y'a que chose qui a des points de force. On a des dégâts de mêlée. Non, juste des dégâts de mêlée. T'as des soucis, toi, dans tes trucs, quand même. Non, je vais pas. On est un peu, mais genre très peu. Oui, voilà, mais comme nous. Mais comme nous. Moi, j'ai très peu. T'as combien de decks là sur ton perso là? 12. Et bah, j'ai 13. Ok, ok, bon, c'est la même alors. Mais dans tous les cas, en fait, ouais, le seul problème c'est mes consommables en fait, ouais, c'est juste ça. Hein. J'étais en mode, si j'ai un peu de dex, au moins je dépense moins de flèches. Sauf que... Je comprends. Ouais, c'est théorie de. C'est chiant. C'est gagné. Marée basse là, il y a des. Bah, c'est un point d'intérêt où je vous le donne en 1000, il y a des coffres et des mobs. Ouais. Bah, c'est vraiment ça, hein. Oh, j'ai. Ah, tu fais OS. C'est bientôt fini. Non, mais ça me pète pas les couilles de jouer, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est. T'inquiète, je respawn dans l'île à côté. Bah, vous. Ça a l'air, tu vois. Mais y'a une banshee. On se sont inversés, quoi. En fait, non, ça a toujours été le cas. C'est juste que maintenant, vraiment, je peux plus taper avec mes flèches en bois. Je suis useless si je fais ça, quoi. Tu es useless. Useless. Ah non. Oui, d'accord. Ah non, il y a monsieur qui va péter là. C'est bon, je pète dessus, voilà. Il a tanké. Juste mon corps pour vous. Ouais. Je suis mort. Dead. C'est quoi qui a fait ça? Ah bah d'accord. Oh meuf bleu. Dead apparemment. 638. C'est la libération. Oui, la solution c'est vraiment d'avoir un arc long, mais bon, ça, le gameplay est nul quoi. Voilà, tu peux raise hein, Lapi, hein. Ouais. Bri. Mais putain, qui a appelé la poule? Oh et putain, elle bouge. I'm tanking. Merci pour ce niveau 23, Kenny. MG, il y a des plumes, Kenny. Ouais,
C'est deux plumes. Plus que 3 et j'ai 50 flèches. Putain de merde. Ok, c'est pas grave, hein, j'aurais été de me plaindre, pardon. Putain de merde. C'est relou. Ok, est-ce qu'on fait le puits au nord? Je pense qu'on fait le puits au nord, non? Fais ce que tu veux, mec. Il y a un truc à loot là, enfin, à lire. Un truc à lire. Disons. Ça donne pas de. Ah, attention, il y a un Bomberman. J'y vais. J'y vais, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvel emplacement cartographié. Ah, le vagabond étrange apparaît. Oui, mais l'élixir et puis de l'élixir. Là, il y a des flèches, frérot. Oh, j'ai des flèches en métal. Et merci. Ouais, attention. C'est là. Ça a ramassé des sexes par terre. Voilà. Là, il y a surtout les tissus là. Parce que vu comment. Oui, mais j'ai la cachette. Ouais. En fait, les tissus, c'est. Il y a un coffre, il y a un bâton légendaire à récupérer, les gars. Sur cette quête là. Ah ouais? Ouais. Là, j'ai un truc pas mal. Ça a déjà été looté, lui, là-haut? Ok. Et puis qui a pas vu le bâton légendaire. C'est toi qui a looté ça, Lapi? En haut là? Je n'ai rien looté du tout. Ah, là, oui, c'est moi. Okay. Ah, bah c'est ça la quête? Ouais, du coup, on n'a pas la récompense. Bah, de toute façon, on aurait été que un à l'avoir parce que c'est le loot la récompense. C'est ouais, mais il suffit d'ouvrir le coffre. En fait, c'est même pour avoir la récompense, il suffit d'ouvrir le coffre. Si tu l'ouvres et que tu récupères le loot, oui, tu crames la quête à tout le monde. Mais si tu l'ouvres et que tu laisses tout le monde l'ouvrir avant de prendre le loot, tout le monde a la récompense. Okay. Il suffit d'ouvrir le coffre. Bah en l'occurrence, la récompense c'était... non, je crois pas, hein. Je crois pas. Ah ouais. Kenny, tu veux voir un truc marrant, histoire d'eux, quoi. Le point d'interrogation, parce que j'imagine que t'as le point d'interrogation, là. Ouais, je l'ai, parce qu'on a une lune à note, mais faut ouvrir le coffre après, en gros, tu vois. Ou alors, faut juste reset la map, Décoroco, il réapparaît, tu vois, et tu peux le refaire. Kenny? Ouais. Tu veux voir un truc marrant, histoire d'eux, ou pas? Vas-y. On a détruit, là. Ouais. Ah. Ah ouais, d'accord, putain, c'est nul ça aussi, putain. Oui, on sait pour le décor, quoi, vous inquiétez. Oh, non, mais c'est pas grave du tout. Non, c'est pas grave, c'est pour la piste, il veut le truc légendaire, quoi. Mais je l'ai, justement. Il était dans le coffre? Oui, il était dans le coffre. Ah, merci à toi. C'est pas la récompense. En fait, la récompense de la quête, c'est la récompense du coffre. Ok. C'est ça, comme les blocs qu'on a eu, etc. D'accord. On va au puits, du coup? On va au puits, ouais, d'en face. Vas-y. Ça nous a donné combien d'ailleurs? C'est celui-là, 3, ouais, c'est pas mal. Ok, j'ai compris. Bien ce que je me disais, c'était étrange. D'accord. Que en gros, il y a marqué une récompense, mais qu'on n'avait rien quand on finissait des quêtes. J'ai mis 26 ans, en fait, leur manière de faire est trop bizarre. Parce que souvent, c'est ouvrir un coffre, et en fait, dans ce coffre, il y a le truc de la quête. Exactement. En fait. Et non, c'est personnel, en gros, dans le sens où vous auriez pas pu avoir tous le bâton, tu vois. Ouais, mais ça nous aurait délaissé le point, quoi. En gros, c'est juste ça. Ça, c'est vrai. Et du coup, c'est trop bizarre. Ouais. C'est bizarre. Bah, en fait, le jeu, il est à moitié fait pour jouer à plusieurs. En gros, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont juste de la QOL un peu bizarre, où oui, normalement, on devrait tout récupérer. Hein. Ah, super. Rouge. Point de compétence. Ouais, on en gagne. C'est trop bizarre les gains de points de compétence. Ouais. Donde? Non. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il faut juste ouvrir le coffre, mais en gros, ça retire juste le point. C'est ce qu'on dit. Ça donne pas la récompense à tout le monde, en gros. Ouais. Et ouais, c'est un peu bizarre. Il y a un coffre là d'ailleurs. Comment vous avez eu autant d'étincelles pour monter votre flamme à fond? Bah, on est loin dans le jeu hein, quand même. Hein. Ouais, bah, quand même, hein, c'est le 5ème live qu'on fait dessus. Et respawn, hein. Voilà. Hitler aussi, hein. Respawn. Mais ça, on savait pas et en vrai, même ça. Oui, on vient de le faire. Non mais je veux dire que genre en gros tu peux aller chercher les étincelles dans des endroits où tu peux ramasser plus d'une et ça se fait vite aussi. Exactement. En fonction de... Tu peux, bizarre, coup, tu c'est peux pas stocker les étincelles. C'est pas par là? J'ai plus Ah je la vois Kenny, regarde. Plein sud-ouest. J'ai pas toutes les étincelles. Sur la gauche.
avoir des sacs de brume avec ça, c'est bien. C'est cool, ça me coûte pas 40 flèches. Il est beau ce bâton, ouais. On peut avoir des skills sympas. Le problème c'est est-ce qu'on arrivera à avoir le dernier gear, ça c'est. Ouais. Ouais. Un peu intéressant. Alors. Et en face là. Oh bah c'est un boss, fais gaffe, c'est lui qui lance les trucs de merde là. Est-ce que t'as vu ce qui vient de se passer? Ouais, attention à la pile, lui il est énervé hein. Ouais, ouais, ouais. Lance la tête de mort. On avait dit derrière les murs, ça passe. Derrière les murs, ouais, tu t'en peux. On avait dit pas les petits trous. Oh putain. Oh putain, il m'a hit. Ok. Oh bah ça passe pas du tout. Oh bah ça va, il est trop bien. Il m'a tué. Dur lui, hein. Puis alors, pour le coup, il passe à travers des. J'ai glissé, je. C'est ça. C'est quand même con, hein. Non! Oh! Forcément, hein. Est-ce que t'arriveras à le tuer? Ouais, je vais réussir à le tuer, mais. Ah, bah, moi aussi, alors là, je fais. Pourtant. Pourtant, j'ai des trucs, hein, mais. Sur eux. En fait, le truc, c'est comme il y a des résists et tout, moi, en plus. Bah, sur ce genre de mob, je fais vraiment zéro. Bon, ouais. C'est par là. Minerate Fair, ouais. Et de AFK à la star. Hey, c'est monsieur! Ouais! Il faut se regrouper les amis, est-ce qu'on arrivera? C'est clair. Hey. Je vous attends, ouais. Ah bah je le vois l'arbre d'ici. Il est où mon stuff? Ah bah il est là-bas. Il y a Joss qui arrive derrière. Ouais. Ah c'est à gauche putain, ça. Et normalement le mob est là. Ouais il est là. Mon stuff avec. Je vais récupérer plus tard. Est-ce que ça marche si je fais ça? MG le nul. Ouh la matraque. Jousse. Utiliser des flèches de fou. Ouh wow, elle est stylée. Elle est belle hein. Oh putain bordel. Elle est belle. Dégâts magiques. Hop je prends les runes. Matraque effrayant. Mais tu sais, mais du coup ce mob, est-ce qu'il pourra respawn? Ouais. Ouais je pense. Mais de toute façon la matraque elle est random, je pense. Je pense pas que ce soit un unique. Peut-être en vrai. Nice. Ok, donc El Punto des compétences. Quoi 5 points de compétence? Bah ouais, parce qu'on a fait double arbre hein, quand même là. Hein. Non, mais là on a fait plus 5 avec lui. Non? Ou je deviens fou? Je deviens peut-être fou, c'est possible. Après, globalement, de toute façon. J'ai débloqué ça. C'est de la résistance, je vais aller chercher tous mes points de dex. Hein. Kenny, en vrai, je pense que si tu veux la masse, prends-la. Ah ouais? Ah ouais ouais, hein, clairement mec. Hein. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Le point de dex il est là, après ça... Fiu. Il y a 5% à aller chercher là. Toujours en mode Superman ou pas? Est-ce qu'on n'irait pas faire... Parmi les Jehablay. C'est juste à côté. Hein. Il y a le temple du soleil et tout. Je sais pas trop ce que c'est. Ok, bah vas-y, on TP sur la flamme. Et on va à la quête principale qui est le temple du soleil. Ah voilà, on continue du coup.
du coup, pour le nouveau planeur, faudra probablement faire ça. Ça va probablement être très chiant. Ok, Tintin, il a dit. Le prochain planeur, je pense que ça va être dans un coffre. Et du ouais, coup, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ce qui va se passer. Moi, j'avoue que là, sans mon. Je commence à. Ouais. Oh putain. Ouais, sans le nouveau sort et tout là, je commence à plus trop avoir de damage. Donc je ne suis pas que limité, mais je pense à être plus dur. Vous êtes où? Vous arrivez. I feel you, I feel you. J'arrive. J'ai de l'argent. Oh, c'est beau là où t'es. Oh, c'est éclaté. Toi-même? Ah, pourquoi de me parler comme ça? Ouais, plus le temple du soleil. Bon, il doit y avoir pas mal de... Moi, je vois plus les barres de vie, donc... Ouais, pareil. Ah bah tiens, le mob qu'on peut pas tuer en bas là. Ah il y en a deux. Lui là, tu parles de lui là? Ouais. Ah non, tu vas voir. Mais là, je fais vraiment plus de dégâts. Mais si j'avais le truc, ça irait. T'as Fireball, t'as mis combien? Là, je mets 400 là, dis-toi. Ah ouais, putain, c'est lourd. Mais là, tu me mets la morsure, c'est fin de tournage par contre. Ouais, ouais, je pense, hein. Ouais, c'est pour. Je crois que c'est grave. J'aimerais bien peut-être y aller quand même, mais. Ouais. Il te faut quoi pour la morsure? Bah là il faut de la bronze, donc en gros il fallait des barres de bronze et Ouais ça doit être bon là. Attention. Ouais je suis pas bien. Il est mort. Il en reste un. Là, il est là. Bah je suis niveau 24, je suis un level du max. Combien d'heures de jeu vous êtes? Une trentaine, 20, 25, 30, je dirais. Ouais, pareil, ouais. Ouais, c'est ça, on était à 22 quand on a commencé live. Enfin, moi j'avais joué un peu hors live ouais. Pour faire du build. Et moi j'avais. Sur une game perso. Et à la fois. Ça fait quoi ça? Boum! Et ça fait quoi ça? Boum! Y'a quoi à récupérer là? Des plumes. Je me régale. Y'a quoi là? Boum! Pourrir séché carrément. Oh là là, je suis mort je pense, non? Attention, on a pied derrière toi. Ouais, ouais mais... En fait y'a des rats. Je suis en train d'essayer de t'aider. Ouais, 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 c'est bien. Ok, ça va. Non. Là en fait, vu que j'ai enlevé ma baguette... Il est où Juice? Mon frère Juice, on l'entend plus? Ah putain, t'es mute depuis tout à l'heure? Si, 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 mais non, non, mais. Ah, mais Juice, il est mort! J'arrive! Je suis mort à côté de vous depuis genre. Mais on savait pas! Mais tranquille! J'arrive, j'arrive! Ah bah, en mode. Ouais, bah, on faisait le call! Là, là! Là, j'étais vraiment en mode. Il a FK, mais là, c'est long, là, quand même! Il est fou, là, il est. C'est caca pour tout le monde ou quoi? Il chie pour moi, là! Bon, c'est mon stuff qui traîne. On a grave pété les couilles là ce qui vient de se passer. Ah. Non, le mob, non, pas toi. Pas toi, pas toi. Non, mais c'est bon, tranquille, je vais me remuer du coup. Je vais remourir de coups, juste un peu. C'est intéressant en tout cas. Je vais pas faire autrement. Ouais. Il a 6000 HP ou? Putain. Un curry, frère. Aïe. What the fuck? Ah, j'ai traversé le mur. Ouais, je suis mort. Allez, pas. Ah mais y'a un boss. C'est énorme. Comment ça, comment ça? Ah mais derrière toi. Non, je crois. Je suis inraisable là, vous pensez? Ah c'est chaud. Non, je vais venir mec, attends, je sais. Attends mais y'a Lapi peut-être, il peut s'il est pas en aggro là. En fait c'est juste, je suis en full aggro. Oh y'en a deux. Ouais.
Ouais, non, ok, je reviens. Ah, mais c'est cool, j'aurais pas cette flèche. Alors. Temple du soleil, j'arrive. Oh, le tricheur! En plus, sur HL, on va pas dans le level. C'est pas le HL, c'est un bug. Ok. Ouais, c'est chiant, ils doivent être 30, hein, je pense. Oh, le bug, ils sont pas HL. Non, mais a priori, c'est un bug. C'est juste un bug. Parce que de toute façon, on a vu des mobs 30, toi et moi. Ouais. Mais ils doivent être 30, je pense. Hein. Oui, je pense. Ça me paraît être un bon guess. Alors. Paf. Arrive, je suis toi. Eux, ils me terrifient, voilà. On en a marre aussi de ces mobs là, on en a marre. Mais tricheur en plus. Ouais, moi j'avoue que là. Trop dur, c'est trop dur là. J'ai tué les mobs qui tirent à distance. J'ai mec. Alors, moins un, le chien. C'est énorme, le chien, ça. Voilà. Mais je leur mets des 60. Ouais, c'est quoi ça? Non, c'est bon, faut pas que je tape dans la tête, quoi. Ah, mais c'est bon, vu qu'il a cassé le truc. Ouais, toutes mes flèches qui partent, hein. Oh! Mais putain. Comment il est venu lui? Oh là là, oh là là, les dodges! Oh, les smoke. Monsieur la pige, je dirais! Ah! Il arrive, il arrive! Ok. C'est pas évident. Il essaie de monter, hein! Il essaie de monter, le connard! Ouais, il met des petits. Attends, je vais tenter ça. Pour mes dernières flèches. Ah, oh, ok, salut! Je tue! On a tué. Non! Ouais, fais gaffe parce qu'il y a l'autre là. Il y a l'autre qui est un fou furieux là. Il y a le fou. Il y a le fou du jeu là. Oh non, elle s'est mise en dessous? Là. Oh, j'ai une idée. Yes. Ah oui, nice. Non. Fabriqué en laboratoire. C'est trop de la merde. Il est mort. Attention. Une vitesse de sprint, c'est pas mal. C'est bon, t'as tout tué? Ouais. C'est juste le. Juste le god. Ok, il y a endurance et vitesse de sprint. 25 hein, quand même là. Le. Ouh, bouclier. Ah, oh. Bah, si tu le veux pas, moi je le veux bien. Parce que c'est un bouclier éthéré. C'est ceux-là que je cherche. 87-130, mais peut-être Kenny aussi. Hein. Kenny, ce bouclier est grave bien. Tu devrais le. Ça, c'est des boucliers magiques un peu cool. Moi j'en ai un qui est très bien. Voilà, donc vous pouvez le prendre. Pareil, pareil, les attaques physiques, pareil, concerne l'endurance. Non, mais sinon. Je sais pas, en fait, il est joli. Ils sont jolis ces boucliers. C'est des boucliers. Bah, si ça intéresse Jou, si c'est mieux ce qu'il a, vas-y, enfonce, hein, mon gars. Capacité de 80. Bah, c'est de la parade, je comprends. 90. Non, je comprends pas trop c'est quoi le truc qui irait pour. Ils ont de la résistance en plus. Bon, là, tu peux résister sur les mobs de brume et tout. Ça, c'est cool. Ok, ok. Il a 9 de bloc. 17 de. Bah, j'en sais rien en fait. Ouais, bah, prends. Hein. Non, mais je veux dire en gros. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression quand même. C'est. Ah, ok, c'est un truc comme ça. T'as tapé Kenny là? Ouais, ok, putain. J'ai fait quoi? Non, c'est bon. Et c'est ça? Il faut taper sur. Il manque un. Ouais, bah, le planeur est à l'intérieur. Un set de capé. Ah ouais? Ouais, bah, c'est sûr. Hein. Ouais. Non, mais oui. En vrai, non. Hein? Non, en vrai, non. Je pense pas, hein. En vrai, non, tiens. Non, en vrai, j'ai plus de blocs sur celui-là, je m'en fous, hein. Très bien. Je sais pas, c'est trop quoi la différence, ouais, mais il y en a un magique, hein, qui est pas magique. C'est pas non, je pense pas que ça soit magique, c'est juste que. En fait, c'est comme d'hab. En fait, là, la stat, c'est juste que celui-là fait moins de parades que
le mien et du coup moi je préfère faire avoir des stats plus en parade. J'en veux pas, Kini, tu peux le prendre. Enfin, je peux le prendre, mais si vous voulez un bouclier, c'est cool quoi. C'est un... Bah, moi j'ai le mien, Kenny a le sien. Vous avez trouvé. Kenny le veut prendre. Vous avez trouvé où les boutons? Les boutons à droite et à gauche là, juste à droite et à gauche du truc. Alors, je viens d'avoir un torse. Ah oui, vu. Santé mana, est-ce que je peux? Santé mana, voilà. Flat ouais, santé mana. Je vois pas de problème avec ça pour l'instant. Et la même chose que le mien, c'est un truc du sage, placement du sage. Le seul, putain. Par contre, mon flow est devenu bizarre. En fait, j'ai envie de rentrer par le côté. Je vais essayer de rentrer par le côté. Là. Bah, je viens de rentrer par le côté, mec. Trop fort, mec. Du coup, je suis dedans là. Ah ouais? Ouais. À l'étage. Alors, est-ce que vraiment je suis dedans? Il y a 4 boutons à appuyer et tout. Non, c'est un truc. Ça m'a pété les couilles déjà. Bon, je vois déjà par contre un bouton là, je crois. Ah non, c'est un piège ça. Actuellement, j'en vois aucun. Ouais, c'est un piège. Je suis passé pour cette porte. Ah merde. Ouais, ok, le planeur est ici. Je vais pas le prendre. Ouais, faut qu'on, au moins qu'on puisse appuyer sur le bouton. Oui, oui. Il y a un truc pour toi d'ailleurs et Attends, mais t'as, ça y est, t'es rentré, t'as trouvé le bouton? Je suis. Ouais, mais je suis en haut en fait, moi. Ah, bah rejoins-nous, Juice. Ok, bah j'arrive, je vais chercher les boutons en fait, mec. Ouais, ouais, nous aussi, mais au bout d'un moment, j'étais en mode, vas-y, je vais tester, voir peut-être il est à l'intérieur et en fait, on est à l'intérieur du truc. Mais par contre, okay. J'aimerais bien. Ok, bon. Oh la dingue! Alors. C'est où Kenz? J'aimerais bien savoir où il est le bouton quand même pour ma gouverne. Ah, mais t'es en haut de moi toi du coup. Oui, je suis juste au-dessus de toi là. Mais j'arrive. Hop, 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 hop. Ouais, bon, en fait j'arrive peut-être pas en fait. Kenny, du coup c'est sur le côté, c'est ça? Ouais, attends, je te montre. Regarde, je suis rentré par là moi. De ce côté là ici. Où je suis. Ah. Attends, bouge pas. Peut-être tu peux rentrer de ton côté en vrai. Hein. Attends, fais gaffe, je saute. Ouais, j'ai vu. Il y a des entrées. J'ai plus d'endurance. Oh la vache, ils font trop mal. L'idée était là, j'ai bien élevé le move. Ah ouais, oh, bah ouais. Casser le jeu, c'est magique. Ouais, après pour le coup, Kenny, c'est. Enfin, c'est des guides. Bon, en vrai, moi aussi, hein. C'est juste que. Une combinaison de talents qui fait que, mais. Mais pour le coup, Kenny, c'est normal quoi. Il utilise pas le truc. Ouais, t'aurais de chaussée, les gars, y'a du loot, hein. Ouais, mais en fait, on est en train de se fight tout de l'heure, quoi. Moi, je suis mort, juste. Mais moi aussi, je suis en train de me fight, mon gars, c'est pas. Pas une compète après, mais bon. Ah non, mais c'est pour te dire, tu dis, y'a des. Ah, moi, je me fais chier, les gars, je vous le dis. En fait, c'est. Y'a des loot, ouais, mais on arrive quoi. T'allais jouer à squad là. Je suis là. Ah, il va mourir ce truc qui est niveau 200 là, ça me casse les burnes par pitié. Putain. Ça va, Jurassic Park là. Vas-y, attends, bouge pas la pluie parce que sinon je vais la déjà. Allez hop, allez, je t'ai bien. C'est quoi? Hein. Il est où mon stuff? DTC? Ah, ok, non. Non, mais attends, vraiment. J'ai pas compris ça à la base. Il est où mon CD? Ah, mais moi j'ai pas ramassé ton stuff. Hein. Ouais, je sais, il est affiché sur la map, mais je sais. Moi je pense que c'est Kenny qui l'a ramassé. C'est moi, je pense. Hein. Kenny, je peux pas passer. Je peux pas passer te voir, Kenny? Là. T'as fermé la porte de ta chambre aussi, Kenny? Ouais, j'ai tout fermé. Mais sérieux? Oui, MJ, j'ai trouvé ta chambre, mec. Ding 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 ding, je ramasse des trucs. Ding ding ding, ding dans les jars. Mec. Salut! Y'a des jars là. Ding ding ding. Mais 15 jars derrière toi, ça vous a pas ramassé maintenant. Tiens, Juice. Oui, MJ. Ding 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 ding. La masse de malheur. Oh non. C'est une masse de main, mais c'est pas au cas où. Hein. Ouais, t'es... En plus, on va te la garder pour que tu fasses un stuff plaque des PSK. Attends, bah là, de toute façon, je joue cac, hein, donc. Mais tu... en vrai, tu devrais jouer demain. Hein. Ouais. Je jure, mec, il devrait jouer demain, je pense. Voilà.
Ok, donc moi j'avais atterri à cet étage, toi aussi je pense. Wow, c'est trop stylé. Ouais, je suis rentré par là. Et il y a une porte, vois-tu, ici là, où il manque un bouton. Voilà, il faut le trouver. Et tu sais pourquoi ça fait ça là? Ouais, c'est parce que en gros, en fait il y avait ça de base devant, et je pense que si tu pètes les trucs, ça ouvre les pièges. Donc j'ai arrêté. J'ai commencé à casser les trucs, j'ai vu qu'il y avait des pièges derrière, j'étais en mode allez, ça va rester fermé. Ok, ok. Bon, j'avais trouvé un bouton là. Ok. Looking for the last one. J'ai l'impression. Il y avait des étincelles là. Mmh. On est d'accord que les étincelles du coup servent plus à rien. Bah ouais, c'est fini là. Vraiment le truc le plus useless du jeu, j'insiste. Bah il est là, Kenny. Tu l'as ? Bah bien, je crois, hein, si c'est pas celui que t'as fait. En face là. Oh parfait ! Ah, j'ai plus de flèches. Ah. Attends, j'ai une idée, mec. Non, ça marchera pas, mec. Ça marchera pas. Tu crois ? You wanna jump? Non. Ah! Ouah, la grenade! Ouah, t'es chaud! Ouah, t'es chaud! Ça va, tout le monde. Non! En fait, ça l'a pas allumé? Ah, mais mec! Bah, c'était le bouton pour la porte du bas! Ah! Putain de merde! Ah, bah du coup, ça veut dire que peut-être! Non! Du coup, je cherche quand même. Ah, bah. Non, me dis pas que c'est ça! C'était derrière une bibliothèque de merde! Tu sais, comme les pièges sont cachés derrière, bah, y avait un bouton aussi caché. Je vous attends pour appuyer. Let's go, mec, let's go. En tout cas, j'aurais trouvé le bouton du début. Enfin, ouais. Ah, ouais, c'est cool. Moi, je préfère qu'on l'ait trouvé, ouais. Vous êtes où là? Ah, bah, du coup, c'est parti du coup direct. Hop. Ouais, c'est juste là. On arrive. La 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 la. Ok. Alors. Le bruit des oui, en fait, il y en a qui sont buggés. Ouais, je pense qu'ils sont buggés dans un mur ou quoi. Il y a une mauvaise génération. Juste sur moi, en fait. Ah ouais moi. Ok. Il est sur moi. Il est en train de me détruire. Ok. Et donc là ensuite t'as un puzzle jump et non. Derrière là. Enfin, je continue à monter ouais. J'ai pas vu. Là y'a un coffre avec des grenades only. Ah ouais ok j'avais pas. Ouais y'a un jump. Et par contre là y'a ça. Et comment vous êtes si... Là en haut. Ah. Ouais je sais mais je vois rien. Ouais. Kenny t'as besoin de brindilles? Ok je vois. Ouais. Regarde. Là y'a un crochet. Oh oui, y'a un nid. Non, y'a pas de PVP là. Bah, t'as frappé, tu vas voir le PVP là, avec ton. Alors, du coup. Ce serait trop guess du PVP sur ce jeu. Ce serait turbo guess, je pense. Bah, après, ouais, comme. Bah, ça serait comme New World en vrai. Y'a une porte là. Ouais. Hop. Offrir à Kenny. Merci. Et t'as deux de fou, mec. Y'a un truc ici là. Pour grimper, et du coup, tout est là. Voilà, je suis mort. Où ça pour grimper? Y'a un E en haut quelque part. Ah oui, vu. Gaffe, y'a un raptor. Ah merde, ennemis. Oh, one shot. Ça va être cool en plus, y'avait que le jeu, le pauvre. Bah je pense qu'il faut... Tu pourras pas nous je pense. Ah je pense que... Bah soit vous attendez 200 ans, soit vous venez... Ouais vas-y, je vais essayer de revenir. Après si j'arrive à... J'aurais pas dû revenir. Est-ce que je l'ai... Attends, est-ce que... On reste où? On reste là, donc c'est ouest. En fait j'ai encore le reposer même mort. Attends mais du coup il faut faire quoi? Ah faut monter, ok. Ah bah oui parce que c'est considéré comme un... Ah oui, il y a le coffre là et il y a le truc au-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, ce coffre, c'est le coffre où il y a le planeur, donc faites gaffe. Ouais, le lootez pas. Histoire que on enlève le point au moins et qu'on valide la quête. C'est ça. Je vais tout loot là, tranquille. Ça marche. Ça vient de valider ma quête, c'est parfait. Je change de serbe là, bisous. Ouais, c'est vrai que. Alors, il m'a pas tué par contre. Donc, voilà. Je suis en train de le kite en fait là dedans. C'est vrai que je suis en train de faire UBRS là avec les Razor Goroku. Je crois que j'ai pris ton gear Kenny par erreur.
Mais comme je suis mort, bon, sans fou, c'est que ce qu'on a dans l'inventaire, donc on s'en fout. Ah ouais, c'est pas grave, je l'ai reposé. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah merci, c'est gentil. Bon, en plus, t'as... Non, c'est un choix, quoi. Kenny, fais gaffe, Kenny. I don't have more stamina, Kenny. The next tap, I'm gonna die. J'ai un peu de flèche. I'm gonna die for Kenny. Non, non, t'inquiète, meurs pas. Vraiment qu'il fasse un truc avec cette terreau. Ouais, bon après... Oh mais non. Non, mais qu'est-ce qu'il fait mon perso? Oh, il a mangé de la merde. Ah non, c'est là, c'est moi qui suis nul hein. Pas bug, je suis arrivé à ça. Je trouve en jeu avec un moment. Allez, c'est pas du tout long, c'est cool. Ah mais oui, vu que mon stuff il est là du coup, ça doit être ça, je suppose. Je sais pas, je prends un stuff au hasard. Non, c'est à moi. Ouais, bah du coup j'ai pas de brindis, parce que du coup je peux pas me faire de flèches. Bon, j'ai pris ton stuff, après bon, ouais, c'est vraiment les compos. Hein. Ouais, je crois qu'il y a rien. Donc, de toute façon, je suis là. Je peux peut-être commencer à DPS. Ok, il est sorti. On a brain. Je suis mort. Merci Kenny. Oh, je sais pas où est-ce que t'as drop mon stuff entre guillemets comme t'as dit. Dans mes sacs. Okay. Dégâts contre les ennemis magiques, multiplicateur de dégâts magiques, il y a un arc de Zanzibar. Ah bah c'est un arc long, parfait, c'est ce que je cherchais. Ouais. Et le fameux Delta Plan qui a l'air trop stylé. Hein. Qui est très cool, qui est très rapide et qui consomme. Ah ouais, prends les clans déjà vu que c'est magique anyway. Il consomme autant d'endurance, tu gagnes 5 de vitesse et tu gagnes de la gamme. Alors là. Ouais, je pense que c'est la gamme. Regarde Kenny ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Là ton arc là c'est full dégâts magiques. Hein. T'as 6 dégâts magiques un truc, c'est fini. Hein. Par contre le planeur la personne ramasse ou vous êtes juste, alors, vous êtes il juste faut les mecs qu'on... Bah, c'est un par personne quoi donc c'est juste ça le truc. Et il faut relancer la game si on veut en avoir plusieurs. Ok bah je vais le prendre parce que personne d'entre vous va vouloir me frapper alors que moi si, donc c'est parfait. Ok bah alors, en gros coup... là maintenant il nous reste quoi? Oh. C'est la meilleure. Vous avez appris la recette. Ah bah voilà, excellent, on peut le craft du coup maintenant. Parfait. Ouais, c'est insupportable hein, les cris de l'oiseau. Bah du coup, il nous reste point d'interrogation. Mec, je pense que le jeu est fini. Hein. Bah après, là, une enquête cruciale, voyons voir. On a les instruments scientifiques, on a l'enfumoir à ruche. Parmi les jets bleus, bon, ça m'a pas donné. Faut que j'aille le craft. Attends, je vais regarder ce que ça coûte à craft. Ouais, moi j'aimerais bien mon truc infini là. Oh! Oh, ça me l'a validé du coup, vu que tu me l'as donné. Attends, je vais regarder ce que ça coûte à craft, voir si on peut en faire 3. Mais je pense, hein. Ça, on doit pas être loin. Bah, le planeur. Ah oui, on peut le craft, ouais, apparemment, ouais. Planeur. Là, là, là. Il nous faut que de l'huile embrumée. Bah, puis il avait déjà demandé là. Et l'huile embrumée, l'équipe, c'est. Je sais pas, je vois pas. Je crois que c'est le truc de la. Qu'on a posé là. Avec, tu sais, les. Le truc d'Alchi, je vais regarder. Hein. Ouais, ouais, je pense. Non, je vois pas dedans. C'est quoi ça? Ah, putain, on peut upgrade. Ah, d'accord. On peut upgrade ici, je sais pas. Est-ce qu'on fait ça? Tiens, Lapi, Lapi, attends, je te fais proc le truc. Et rends-le à Joe, sinon il va nous tuer, je pense. Non, tranquille, non. Et c'est où le. C'est qui peut craft déjà? C'est le. Lui là? Ouais, planeur. C'est mon père, il faut juste le call. L'huile embrumée. Donc là, il manque que de l'huile embrumée en vrai, ouais. Pour le faire. Okay. Ouais, ça c'est mieux, je pense, dans tous les cas. OMG, les barres de fer. Démonte-le ça à blanche. Démonte-le, mec! Démonte-le ça. Et ça. La pile trop loin. Les couilles, okay. Hein, il est loin. Où la pile? Oh. Je vais mettre bah, tes trucs, je mets tout dans les coffres que je t'avais. Ouais. J'avais volé. Oh le voleur! Il a tout. La dinguerie de voler comme ça par contre. Il avoue qu'il le vole, oui. La dinguerie, tout ça. Bah, attends, je vais tester un truc parce que juste à côté on a des mobs là.
Toujours pas d'embourrage, je vais péter les plombs. Toujours pas de quoi? Ah oui, d'embourrage. Ouais. Ça rend fou. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'on est en train de. On sent le lin, c'est bon. Ok, là c'est bon. Le rembourrage, il est là. Ah non, on est d'accord qu'il faut. Ouais, il faut faire tout en tissu, le lin en tissu. On peut pas. Merde. On peut pas. T'as voulu m'envoyer quoi, Brooklands? C'est le bâton de foudre. Je vais tester les dégâts, mais je pense que je vais mettre 600 hein, globalement. T'es les couilles, c'est trop dur. Non. Grosse P. Putain, merde. Initialiser. On va ébrer de l'autre. Ok. Ok, bon. Bon bah ouais hein, ok, ça c'est bon. Je peux plus tester du coup, c'est pas très grave. Journal, les quêtes. Donc là en gros, ce qui nous reste, c'est découvrir les items, enfumoir à ruche. En gros les trucs additionnels, il y en a plein, on s'en fout. Instrument, mais... enfin laboratoire, enfumoir à ruche et sort éternel. Bah normalement c'est bon si on a des tas de graisse, parce qu'on a, t'as fait les barres de cuivre et tout. Bah ouais, ouais, tu les as normalement. Oh là là, on peut faire des ruches de miel, vraiment rien que pour ça, j'ai envie de me foutre du sucre dans la. Oh ouais. Bref. Bref. Bah, combien de mana là? J'ai combien de mana? 405, ok. Je vais en avoir plus, pas sûr. On fait un. Vous rendez compte ou pas? Vous rendez compte le chat de ce que je dois faire? L'état de machin là. État d'argile. État d'argile, tu vas normalement à la tour qui s'appelle Tour des Anciens Bois Envoûtés. Il me semble que celle-ci, que c'est celle-ci, et tu devrais les voir d'en haut. C'est des gros patchs orange. Et donc t'as dit on a le bronze, hein. Ouais, nice, nickel. J'ai lancé avant qu'on parte. Ouais, ouais, t'es le boss, mec. Et on a dit cuivre aussi, c'était ça. Il fallait cuivre et machin. Ouais, nickel. C'est juste le boss. Et tu m'as dit, vas-y répète. Je suis désolé, frérot. Bah tu vas à la tour au nord, là la deuxième, je sais plus le nom, je te l'avais donné mais je sais plus ce que c'est. Et tu vas te TP, tu vas avoir des patchs orange en bas, tu voles vers un de ces patchs orange et tu mines. Bon, vous t'es là. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais faire ça tout de suite. C'est une douleur. Hein. Ah! Oh mec! C'est joli tes fleurs. Ouais, je suis en train de tout. Mais non! Alors, ça, c'est vraiment un truc de chien. Désolé, mec. Grave, non, mais regarde, en fait, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, genre, j'appuie sur 1 et oui, ça fait une attaque utilise, en fait. Ça utilise ton épée, ouais. Et je voulais juste. En fait, je voulais. En fait, comme un con, je voulais juste enlever mon arme. Comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais t'inquiète, bon, pas. Ça me saoule, je suis dégoûté. Vas-y, je vais quitter le jeu, ça. Non, ça fait trop chien, non. C'est... non, je suis désolé, mec. Vraiment, je m'en veux. Donne-moi des plans, je plante avec toi. Non, t'inquiète, c'est presque fini. Ça, de toute façon. Ah là, je suis un joueur détestable, de toute façon, tant pis. Mais non. T'inquiète, on s'en fout. Quelques plantes. C'est pas dramatique. Putain, trop chiant. Je suis abattu.
Non, ça rend bon là ou toujours pas? Bah en fait on pourrait, juste on n'a pas commencé. Putain, mais le safran, de la viande de loup grillé et du pain plat. Non, ça donne un truc de fou, ça donne 4 forces de constite, ça. Non, c'est une dinguerie, le sandwich là. Okay, bye. Ça c'est fait, donc ça c'est terminé du coup. Ah ouais, donc tout le lin a été récupéré, a été fait en tissu je suppose. Je sais pas si ça a été fait. Tout le lin a été fait en tissu. C'est en train. Un peu, mais... Ouais, c'est en train. J'ai tout mis dedans. Parfait. Là, parfait. Du coup, ce qu'on voulait voir c'était le rembourrage. L'argile. Le rembourrage est ici. Il nous manque du lin, voilà. Et on peut commencer à faire attends, du rembourrage. Attends, mais du lin, il y en a. Enfin, tu t'en faut combien? Le lin en, en fil, pas en tissu. Ah bah prends, il y en a des mini et une chier là, donc ouais, je m'en prends. Je prends la moitié là, j'en prends 22, ouais. Voilà. Hop, et je vais en faire quelques-uns pour débloquer les crafts, parce qu'on a jamais attends, eu rembourrage. Je vais en poser 22 dans les crafts, dans les trucs de craft. Ça n'a rien débloqué l'équipe. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Ça n'a rien débloqué. Mais du coup, on peut faire les stuff, ouais, voilà. Voilà, on peut les faire. On peut le faire. Ouais, ok, j'ai pas besoin de plus de spirit, ok. Il nous faut donc le... Est-ce que c'est là où je suis, Kenny, tu penses? Ok. Le Rambo. Ah ouais, bah c'est ça, je crois. L'état de graisse. Le rambourrage. Tiens, Jus. On va le rambourrer le... Hein? Merde. Hop. Ah, tiens, ça. Voilà, si tu veux te faire un item. Non, mais il va falloir que tu fasses tes items, en vrai. Ouais, plus tard, t'inquiète. Putain, mec, il y aura plus rien à faire. Ah ouais. You need to test. Mais tu sais quoi, tu vas pour le build. Mais je pense que de toute façon, je vais regarder un petit peu mon build parce que du coup, j'ai pas pu m'y pencher. J'avoue que c'est un full time, hein, full time job, hein, de faire fermier. Hein. C'est quand même ça vachement long. Hein. Full time job. Ouais, je te jure. Hein. Sir. Hop. Vous avez encore des stacks de canne à sucre, voilà. Comme ça, vous pouvez régénérer l'endu. Il y en a 3 des stacks qui sont prêts pour vous. Il a mis où le 4 oh, le casse va être trop bon. Le truc là de. Ah, il est là. Oh là. C'est pas ça, putain, my bad. Je suis le champion de Albion Online. Bonjour à tous. Trop stylé. Tu t'es mis en full soldat là? Ouais, j'ai juste la tête là, regarde. Squeeze. Ouais, j'ai vu, elle est incroyable. Instruments scientifiques, c'est outils de maçonnerie. Ouais, on va prendre ça. Dommage. C'est vrai que c'est joli. Ils sont où les outils scientifiques On va faire ça. Les potes. Je sais plus. Tu les avais posés ici, Kenny? Ouais, je les avais posés. Ils doivent être autour des pépinières, je pense. Ouais, je suis en train de checker, mais non. En gros, là, c'est les outils de maçonnerie. Et outils de forge, peut-être. Elles sont où les runes? C'est moi qui les ai maillés. Dans ta chambre? Dans ma chambre, je crois. Merci. Par contre, c'est. Ouais, c'est où? En vrai, c'est assez important qu'on les retrouve, le truc. Ah, peut-être dans un non cloudé. De? Le truc de l'alchimie. Que Kenny avait posé. Bah, il est là, non? C'est pas ce truc par terre? Hein. Quel truc par terre? Bah, là, ah, là. C'est totalement ça, bien. C'est merde. Du coup, on va faire ça. Ah oui, la meule. La meule, poudre de charbon, meule. Les meules. Ah bah c'est ici, poudre de charbon. Et là on peut faire... Allez, je fais de la poudre de charbon, c'est maintenant. Vas-y mec, fais de la poudre de charbon, moi je fais des trucs. J'ai posé là, si ça te va. Donc on peut faire du papier, des épices, du nitrate, de la poudre noire. Du nitrate de sodium. Et de l'huile embrumée. Lui-même. Alors si on peut faire du nitrate de sodium, c'est cool, on pourrait se faire du coke. Alors je vais récupérer un peu de bûches parce que c'est des bûches et du charbon du coup pour faire de la poudre de charbon et des bûches et de la terre pour faire du charbon. Bon ok, hein, ça va, il suffit d'avoir du bois. Sauf qu'en vrai, il y a un truc qui est un peu mal fait, c'est que c'est quand même une douleur dans le cul hein, de farmer du... Ah bah ouais. Comment ça? Bah ouais, c'est un peu une douleur dans le cul de farmer du bois, je non, le dis. Non. Ah si. Non, pourquoi y'a pas de charbon, mec? Y'en a pas. Putain, c'est long. Je vais taper du bois. Et ça, donc, c'est le nouveau truc. Ah, huile embrumée. C'est insupportable à faire. Ça fait plaisir, en vrai. Les épices: camomille, rooibos, fleur du désert, base alchimique, safran. Ok, ça, c'est un truc qu'on fera jamais.
Ah oui, voilà, la poudre noire, c'est pour faire des explosifs. Et donc, ça, on le fera jamais, je pense. Ok, cool. Ouais, c'est incraftable, hein, les items, dommage. Bah ouais, moi ça me paraît difficile à craft les miens. Fini, je suis ton roi. Après moi il me faut que je fasse un bourrage, en vrai. En fait j'ai tout sauf... Attends, j'essaye de... Je vous ai donné mon ancienne armure, chasseur. Ah 9 et 12. Oh, elle est peut-être mieux. Mais tu vois, par exemple... Oh, ouais, tu vois le 120, 96. Hop là. Vous êtes si beau, monsieur. Je te jure que c'est vraiment mieux. Ah bah oui, j'imagine, hein. Après, il y a celle-là aussi, mais je pense que celle-là te sert à rien. Mais le skin est insane, par contre. Ah oui, celui-là, il est bien useless. Monsieur. Youngers. Il faut que je regarde un petit peu, ouais, s'il y a des pièces qui peuvent m'augmenter mes dégâts. Genre là, la tête, elle peut être bien. Le torse, c'est mieux ce que tu m'as donné en vrai, je pense. Fini, je vais t'offrir la clé de mon cœur, mec. Oh, les clés du picor. Les clés du picor. Ok, bon, je vais aller faire mon tour, voir les gueuses au village, je suis le roi. Je suis le roi. Je vais chercher de l'eau. Est-ce qu'on va faire des quêtes ou... Mec, je veux faire ce que tu veux. Bah après, en fait, globalement, les quêtes, il nous reste un truc qui dit une enquête cruciale. Une enquête cruciale, c'est quoi? Bah en fait, il nous reste que l'enfumoir à ruche. Il nous reste que l'enfumoir à ruche, en vrai. Hein. Ouais, l'enfumoir à ruche était... Suivez la piste, éliminez le voleur Vuka. Ah, suivez la piste. Cela débloquera la production de la ruche. Il y a un autre temple du soleil ? C'est bizarre. C'est ça, c'est le... Oui, on avait deux en ouais. Ah oui, il y en a un autre là. Bon, en vrai, il y a plein de temples du soleil, my bad. C'est que des temples du soleil. Le meilleur jeu, il sert à quoi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la viande pour votre roi là ? Ouais, mais si on veut avancer, en vrai, c'est juste un enfumoir à ruche. A été voulu transporter dans la colline sacrifiée. On va s'enfumer un max là, ça peint. Colline sacrificielle, Vuka. On avait pas dit qu'on pouvait désafficher des skins ? Je me souviens plus. T'as aucune c'était idée, frère. Ah non, c'était dans For the King. Ouais. Se trompe de jeu, la honte. La honte, il vient de se tromper. Notéon. Ouais, bon, c'est bien bugs. Hein. La quête est bien bugs. Vainquer le voleur de miel de Vuka. Ouais, ok. Et on n'a pas d'autres quêtes là ? C'est fini ? Là maintenant ils sont en mode fur ? Ouais, je crois. Hein. Ok. Bon. Bah là, ça y est, on sent que la progression est pas finie. En vrai. Ah ! Tu vas pas offrir tes plus Mackenzie ? Mais oui ! Attends. Ça va pousser, vas-y, on voit. Ouais, mais j'en ai genre deux, mec. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis désolé. Mieux que zéro. Bah, du coup, il faut quoi. Ouais. J'ai un souci et pas un souci. Mmh. Le souci, c'est que j'ai sport et il faut que j'avance un peu parce que Adrien veut que je fasse un truc avant. Donc, si je commence pas maintenant. Je vais être en retard et c'est ouais, chaud. Mais alors, par contre, moi je vais être honnête. Je pense que c'est la fin de mon aventure. Parce qu'en gros, je pense qu'on a vu un petit peu le tour. Là, ça commence à devenir un peu épuisant. Oui. Je sais pas si ça sert beaucoup d'aller plus loin. Pour moi, en tout cas. Je suis devenu le roi, c'est ce que je voulais, donc c'est bon. T'es effectivement le roi. T'es le roi de ces terres, donc félicitations. Sa Majesté, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Y'a aucun problème. Mais je pense honnêtement que voilà, je suis arrivé au stade où je me dis, ok, je pense avoir vu, et je pense pas qu'on va découvrir des dingueries après, tu vois. Non, là, je pense qu'on découvre vraiment le truc des abeilles et fin. Voilà, enfin, y'a peut-être 2-3 trucs, peut-être un boss on n'a pas vu, mais en fait, je me dis, autant attendre la 1.0. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. En fait, le côté gauche, il y a toujours la grosse porte au début, là où vous avez creusé dans la montagne comme des nains, et c'est, je vois que c'est toujours bloqué. C'est ça. Mais en règle générale, je pense qu'on a vraiment atteint la limite, à part peut-être le sud où il y a écrit meilleur jeu. Ouais, il y a évidemment quelques opties, 2-3 objets qu'on connaît pas. Allez, disons 5-6 hein, pour ceux qui diraient qu'on réduit un petit peu le truc. Mais je pense pas qu'on puisse aller beaucoup, beaucoup plus loin, et que même en allant plus loin. Je pense pas qu'on aura l'effet waouh, tu vois, d'un truc de fou. Donc pour moi, je pense que ce sera mon dernier live de ça.
Et en vrai, de l'année. De l'année, j'arrête. Après, tu vois, par exemple, si l'API veut pousser son build, si toi t'as envie de tester des trucs et tout, au calme, hein, normal, je comprends. Mais moi, j'avoue, je me vois pas pousser plus. Non, ouais, je stop. Comment ? Moi, je pense continuer, c'est presque là le. Presque le moment le mieux, tu vois. Genre, il y a les loot, le petit et tout. Mais en fait, ce que je ferais, c'est que de toute façon, je mettrai la save en. Sur le Discord là. Ouais, parce que moi j'avoue que ça m'intéresse de faire du build, mais je ferai ça en live parce que j'ai envie de tester des trucs. Oui. Mais je pense pas le faire en live parce que je tiens quand même à garder certains viewers sur ma chaîne. Principalement. Et par contre, je vais dépenser tout le fer. Voilà, je le dépense maintenant, comme ça tu t'en auras plus. C'est fait, y'a plus de fer. Non, mais c'est trop stylé. Nickel. Ninja Kid. Mec, regarde-moi sur ce toit là. Ya. En vrai, je sais pas si j'ai beaucoup de trucs pour l'API. Ah si, les runes. Ouais, je vais drop les runes par Attends, contre. Attends, mec, j'ai une idée de fou, regarde. Je vais déséquiper tout mon stuff et je vais te le donner. Bip. La ma cox. Mais de toute façon, vous pouvez tout laisser. Enfin, je vais vous filer la save. Donc en fait, ça va dupliquer ce moment 3 si vous la mettez. Ouais, bien sûr. Votre truc. Donc en fait, vous pouvez tout laisser et je file la save et voilà quoi. C'est toi. Les amis, je viens d'être nommé roi. OMG, je suis le roi. Et moi, je suis le. Ah ouais. Encore du travail. Encore du travail. Monsieur. Ouais, putain, je suis le roi, je suis putain de roi, les gars. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est du stuff, hein. Bah écoutez, les amis, merci beaucoup pour cette aventure. L'API, yes, je te souhaite beaucoup de bonheur dans cette optimisation et dans ces tests de build. J'ai hâte de voir tes clips, je les retweeterai avec plaisir s'il y a des dingues. Et merci Juice aussi de m'avoir promu roi de ces terres. Je pense que tu mérites, donc voilà, ça fait partie du deal, donc bravo à toi. Je peux pas faire des mods au 7, mais. Je suis mon personnage, mais voilà, tranquille. Ok, ça marche. Voilà, mon perso va mourir là, regarde. Mais. Au revoir. Fin de fou. Ouais, Cimer pour l'XP, hein, c'était cool. Hein. De ouf. Bonne chance à tous. Bisous, Juice, bisous, Lapi. Je vous laisse tous les gars. Là-dessus. Moi, je vais faire le sport. C'est ciao. Cool. Bonne ciao. Fin de soirée. Au revoir. Hop là, bon du coup, ouais effectivement, il arrive même pas à suicider, ouais j'ai vu. Bon du coup, on a vu pour Unshrouded. Franchement, je pense qu'on est arrivé au bout de... Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Internal error. Attendez, je relance pour le chat, c'est bugué. Le chat, il est bugué. Ah ouais. Il est full crash le chat. Bon, espérons que ça marche, je sais pas. Franchement, je pense que j'ai vu à peu près ce que j'avais envie de voir sur le jeu. Je ne pense pas que pousser plus soit très utile, pour être sincère avec vous. Il y a plein d'autres jeux et je laisserai le temps aux développeurs d'étoffer le contenu du jeu et de nous proposer une expérience plus complète pour la première fois, pour la prochaine fois où on retournera sur le jeu. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus. J'aimerais bien faire un petit débrief avec vous de ce qu'était Unshrouded. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, les plus, les moins. Parce que là, c'est le moment, voilà, on est arrivé pour moi au bout de l'aventure. Est-ce que vous avez apprécié, en tout cas, ce contenu live? Moi, j'ai passé un bon moment, honnêtement. Je trouvais ça sympa. Mais passer un certain stade, c'est un jeu qui est très répétitif. Mais en même temps, c'est un jeu de survie. Ça manque de pas mal de petites upgrades de quality of life, mais ça se voit que les développeurs n'ont pas joué à leur jeu sous toutes les facettes. Ils n'ont pas testé tous les builds. J'ai arrêté au même stade, il n'y a rien de spécial à voir après. Non, mais c'est évident qu'il n'y a rien à voir de fou. Le jeu est très joli, franchement le jeu est très joli, l'ambiance sonore est réussie, le sound design est excellent, même si effectivement on aimerait que ces Wyrm ferment leur gueule un jour. Pour le prix, il extermine Diablo 4, 90€. Ouais, quand même. C'est clairement le genre de jeu où j'attends la 1.0. Après, c'est bien de le découvrir un peu parce qu'en fait, c'est pas grave. Il y a tout qui va changer. Donc, quand je reviendrai sur le jeu, je serai en mode « Waouh, ils ont fait ça comme ça maintenant et tout. Oh, ils ont changé ça. Ah ouais, c'est vraiment mieux comme ça. » C'est sûr que je vais avoir un milliard d'effets comme ça sur plein de petites fonctionnalités du jeu où je vais être un peu choqué de toutes les améliorations. 30€, 30 heures, 1€ de l'heure, quel plaisir. Ouais, c'est vraiment un bon ratio plaisir-achat, quoi.
Clairement, clairement. Retour de Oxygen Not Included, je sais pas si c'est un retour direct sur Oxygen Not Included, je sais pas du tout. En tout cas, j'ai bien aimé. Pour moi, il y a des points noirs sur le jeu. Évidemment, ouais, j'ai joué à Pax Day. J'ai totalement joué à Pax Day. Alors, Pax Day, c'est un enfer de farming, par contre. Hein. Je trouve... Arrêtez-moi si je me trompe. Je trouve que le système des étincelles sert à rien. Que ça existe ou pas, l'objet de l'étincelle et les chapelles de la flamme, que ça existe ou pas dans le jeu, ça change rien. Ils peuvent supprimer tout ce pan du jeu. On a moins à se balader sur la map pour rien. Voilà, ça sert à rien. Ça n'a un intérêt que pour upgrade la flamme, et après ça sert plus à rien. Donc c'est bizarre que ce soit une ressource qui respawn. C'est bizarre, c'est nul, tu vois. Enfin, je trouve ça nul. Le système des notes qui te permettent de trouver des repères et qui t'ajoutent 1 milliard de pages dans ton codex et tout, je trouve ça à chier. Aussi, je trouve ça nul à chier. Je trouve que ça sert à rien. Il y a 1 milliard de manières de mieux faire. Je trouve que le fait de mettre des points d'intérêt partout et d'ouvrir la map, d'avoir... En fait, les points d'intérêt sont nuls aussi. Je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, dans les points d'intérêt, je faisais la blague, mais c'est vrai. En fait, tu trouves un point bleu dans lequel il y a une ville, il y a plein de trucs à explorer, bah dedans, il y a des mobs et des coffres. C'est tout. Des mobs et des coffres. Alors, c'est bien quand t'es dans une recherche d'optimisation de late game et tout, mais vu qu'il n'y a pas de late game, il n'y a aucun intérêt à farmer ces trucs-là. Donc, ça aurait peut-être un intérêt s'il y avait des boss qui étaient hyper durs, sur lesquels il fallait vraiment opti ton perso et tout, comme dans un MMO ou quoi. Mais c'est pas le cas. Donc, ça n'a vraiment aucune forme d'intérêt. Fonctionnalité de partage de quêtes aussi, bien sûr. Alors, c'est une early access. Hein. Là, ce que je vous dis, tous les points d'intérêt sont pas inintéressants, mais c'est la plupart. C'est ça le problème. Oui, mais du coup, tout est inintéressant. Si la plupart sont inintéressants et il y en a quelques-uns qui sont intéressants, bah ça sert à rien. Parce que du coup, ça veut dire que je vais en visiter aucun. Une fois que j'ai compris, j'en ai vu 2-3, j'ai vu que ça servait à rien. Je vais pas. Enfin, je veux dire, c'est pas mon travail, je suis pas payé pour jouer, je vais pas. Je prends la place d'un gamer classique, tu vois. Je suis en mode, je suis pas rémunéré pour jouer, donc OSEF, tu vois. Je vais pas aller me balader dans tous les points d'intérêt pour faire plaisir à monsieur le développeur parce qu'il m'a mis un jour un item intéressant. Sur les 14 points d'intérêt, il y en a un seul, tu vois. OSEF. Perso, c'est le loot des coffres qui m'a un peu déçu. Ouais. Le jeu gagnerait à avoir plus de clarté dans les coffres en mode, bah ça, c'est un coffre dans lequel je sais que je vais avoir un item. Ça, c'est un coffre dans lequel je sais que je vais avoir des utilitaires. C'est des skins de coffres différents sur lesquels, voilà. T'es biaisé par le coop, je fais les deux solo et coop. En solo, tu ressens plus la courbe et le plaisir d'explo. Non, je pense que je suis pas biaisé. Hein. Je pense que l'exploration, elle est cool, mais explorer des points bleus, ça sert toujours à rien. Hein. C'est nul, hein. Ça te fait des items, quoi, ok. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Parce qu'en fait, j'ai pas une classe qui demande à réfléchir beaucoup, beaucoup son build. Donc en gros, je suis peut-être biaisé par ma classe, je sais pas, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, globalement, ça te permet juste de monter le niveau de tes items. Globalement, les items sont pas très différents les uns des autres. Donc il n'y a pas non plus une opti de fou à faire là-dessus, quoi. Il y a des puits, ouais. Enfin bref. Voilà, donc moi je trouve pas ça très intéressant. Les notes, je trouve que la mécanique de l'étincelle est Ayesh. Je trouve ça dommage de pas avoir plus poussé. Alors peut-être parce que c'est dur, j'en sais rien. Mais j'aurais bien aimé voir plus de boss comme la Wyvern. Voilà. Il y a une énorme Wyvern à un moment, un boss hyper intéressant qui met un. Qui a vraiment. C'est vraiment un climax dans l'exploration. Tu te rends compte de ça. Tu découvres un fight. C'est hyper intéressant. Mais le jeu aurait gagné. Peut-être. Et ça, c'est mon avis, peut-être, tu vois, mais le jeu aurait gagné à instancier ce combat. C'est sympa de le trouver dans l'open, mais du coup, il est dans une arène. Donc, en fait, quitte à ce qu'il soit dans l'open, autant qu'il se balade. Et quitte à ce qu'il soit dans une arène, autant qu'il soit instancié pour que le combat reset à chaque fois et que les corps soient devant. Genre, en gros, ça rend le truc pénible pour rien de mourir à l'intérieur de l'arène et pas pouvoir t'épayer avec ton stuff. Voilà. Là, j'essaie de pointer du doigt tous les trucs un peu négatifs, IMO, tu vois, à mon avis. IMO, j'ai dit. Quel connard je fais. Donc voilà, pour moi, il y a tout ça. Sinon, c'est un jeu qui est vachement beau. Je le trouve incroyable, en vrai. J'ai adoré la courbe, en vrai. Au début, elle est hyper intéressante. Tu découvres plein de trucs de tous les côtés. Très, très cool. J'ai pas trouvé folle, la Wyvern. Le premier combat, il m'a wipe. Quand je suis revenu, j'étais full préparé. Il m'a jamais touché. Ses patterns sont trop basiques au final. Non, mais il est simple. Et c'est pas un problème qu'il soit simple. Moi, pour moi, le combat n'est pas un problème. C'est le premier boss. Je trouve que c'est normal. C'est normal, c'est le premier boss. Il n'est pas censé être dur, il est censé te dire « Attention, dans ce jeu, il peut y avoir des boss. » C'est bien,
C'est une bonne information, tu découvres le fight, tu retournes préparer, tu le butes. Mais en fait, moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de fights comme ça. Et encore une fois, quitte à ce que le boss soit en open et que du coup, bah, tu puisses y accéder comme tu veux, rester en hall, taper et tout, pour moi, il devrait se balader sur la map. Et t'aggro de manière random, je sais pas, pour que tu le découvres, que tu sois un peu choqué du truc, je sais pas. Ou alors au moins se balader dans la zone à côté de là où il est. Et que de loin, tu vois la Wyvern, t'es en mode, putain, c'est quoi cette dinguerie, tu vois, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, moi je trouve que ça manque ces de petits éléments comme ça qui vont chercher à lancer ta curiosité. Comme dans des jeux Zelda où par exemple, t'es en train de te balader et tu vois de la fumée au loin qui dépasse de la montagne et t'es en mode, il y a un truc là-bas, il y a une maison. Et tu rentres dans la maison et tu te rends compte que t'es dans l'île de glace, enfin t'es dans la zone de glace et qu'en fait il y a des gens qui sont enfermés à l'intérieur, tu vois. Faudrait raid sur ta base des fois. Ouais mais tu vois en gros, ça, moi, pour moi ça manque de ces petits trucs là. Qui vont venir te chercher, qui vont juste toucher ta curiosité. Tu vois, et t'es en mode, ah, c'est quoi ça? Tu vois, la Wyvern au-dessus du château, t'es en mode, waouh, la dinguerie. Imagine, on peut le fight, imagine, on peut la monter, imagine, j'en sais rien, tu vois, tu peux te poser des questions. Et au lieu de te faire craft le grappin et de te forcer à l'utiliser sur le premier truc, après, peut-être que c'est pas obligatoire, mais ça te fait faire un détour de merde, moi, j'aimerais bien que les points bleus te donnent ces objets. Et que le premier genre à Rook Mark, je sais pas quoi, là, le premier truc où tu vas dans le premier point bleu avec la petite ville, tu puisses looter le grappin dans un coffre et tu te dises, ah, on peut débloquer des mécaniques en explorant ces petites villes. Et du coup, tu te dises, ah putain, bah du coup, je vais les visiter. Tu vas dans la deuxième, tu découvres le planeur. Tu vas dans la troisième, je sais pas, tu trouves la pépinière. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, de manière random, faudrait qu'on... Parce qu'en fait, tu vois, la pépinière, c'est pas un truc obligatoire. C'est un truc qui te facilite la vie. Et du coup, c'est pareil, tu vois, tu peux looter la pépinière, donc apprendre à la craft, et être en mode, putain, à chaque fois que je visite un truc bleu, je découvre une méca intéressante. J'ai l'impression que parfois, c'était frustrant au lieu d'être dur. Est-ce que je suis biaisé parce que vous êtes des hardcore gainers? Non, mais c'est frustrant. En fait, au bout d'un moment, c'est juste frustrant parce que les HP des mobs montent et pas tes dégâts. Et du coup, il y a un truc un peu chelou qui se crée. Mais de toute façon, encore une fois, c'est une early access, ça demande évidemment beaucoup d'équilibrage. Mais je pense que par exemple, ce fait d'aller explorer, chercher les items, les trouver et avoir cet petit effet qui se coule, d'ouvrir un coffre et de peut-être découvrir une mécanique, tu l'auras jamais, je pense, dans le jeu. Je pense que ça bougera pas, ça. Les talents aussi, ça en va avoir. Ouais, bien sûr, mais ça encore, c'est un truc d'équilibrage. Et moi, je trouve que c'est pas un problème. Tu vois, le fait que ma classe galère à faire des dégâts, c'était pas un problème. Le seul problème que j'avais, c'était que niveau consommation, c'était horrible. Mais ça aurait pu être réglé En rendant moins pénible le farming. Parce que là, je devais poser 200 de lin pour tout le monde, je me posais 300 brindilles, et je cramais les brindilles trop vite, et je posais de la camomille pour faire des potions qu'on n'a jamais fait, j'ai posé des champignons, et j'ai posé des baies. Et du coup, tu sais, tu te retrouves avec des plantations gigantesques de trucs que tu utilises à peine, ou alors que tu consommes trop vite. Et donc voilà. Mais je sors quand même d'une belle expérience, je trouve. C'était vraiment sympa. C'était vraiment très très sympa à jouer. Très très sympa à jouer, mais voilà. Donc pour moi, ce jeu, c'est un futur 9 sur 10, mais pour moi là, c'est un 6,5-7. Très content de la découverte, mais un petit peu trop de gros oublis, je dirais. Moi, je pense que c'est des gros oublis. Je pense pas que les devs aient pensé à ce que le jeu soit comme ça. C'est soit des gros oublis, soit pas le temps, c'est un early access, on verra plus tard. Des features pas finies. Et c'est pas mal, c'est pas grave, tu vois. Juste, c'est pas encore fini et c'est un peu frustrant pour l'instant. Après, t'étais le seul à t'occuper des plantations, c'est usant aussi. Ouais, mais par exemple, tu vois, les plantations, les brindilles, je ne les faisais que pour moi. Imagine, on avait deux archers dans le groupe. Pff, c'est l'enfer, tu vois. C'est l'enfer. Je pense que c'est impossible. Comme Subnautica. Ouais, Subnautica, c'est hyper bien pour ça. C'est très, très bien fait pour ça. Subnautica, c'est... D'ailleurs, j'ai envie de me faire Below Zero. J'avais adoré mon expérience sur Subnautica premier du nom. Là, il y a Below Zero, donc le DLC, qui est une toute autre histoire, qui je pense, est hyper intéressante. J'avais commencé à y jouer, mais le jeu n'était pas fini. J'étais enfin le truc venait de sortir. C'était en bêta et tout. J'étais en mode, vas-y, je vais attendre que ce soit sorti. Il y a moyen d'avoir des brindilles en masse dans les nids. Non, c'est pas vrai, en fait. En fait, oui, t'en as dans les nids, mais t'as pas des brindilles en masse. T'en as pas autant que quand t'en plantes. Ça, c'est sûr. Tu peux les farmer dans les tanières de loup, c'est ultra efficace. Oui, mais t'en as pas autant que quand t'en plantes. Pareil. En fait, c'est toujours le même problème. Ça se crame trop vite. Ça se crame trop vite, les brindilles. Je trouve. C'est mal foutu. Mais c'est pas, en fait, c'est pas que c'est mal foutu. Je pense que c'est pas fini. Et qu'en gros, ils ont laissé ça comme ça.
Et il va y avoir le retour des joueurs qui va leur dire, les gars, c'est une douleur dans le cul de farmer des brindilles. Et ils vont dire, ok, on va trouver des solutions de quality of life. Et puis ça va être réglé. Tu devrais avoir beaucoup plus de brindilles par buisson, ou même en avoir une dizaine, voire une vingtaine en abattant un arbre. Ouais, c'est clair, hein, t'en as très très peu des brindilles, alors que c'est une ressource vraiment que tu consommes, mais trop facilement. T'as les petits arbres qui en donnent 8 par arbre, et après les flèches en cuivre, c'est assez rentable. 8 par arbre, je les ai pas croisés, ceux-là. En vrai, on devrait pouvoir les crafter à partir de bûches. Ouais, de ouf, Eldaran, grave. Comme ça, en fait, tu poses que des arbres qui font des bûches, tu les démolis avec eux quand c'est chez toi, et boum, après, tu transformes ça, grave. Grave. Le jeu est vraiment bien, perso, j'ai pas 80% du contenu en archer. Ça m'a saoulé un peu, je me suis mis à build, j'ai remis 10-15 heures dedans. Ouais, je comprends. Mais là, c'était frustrant à la fin. Là, je commençais à être pénible. Même moi, je me suis saoulé. C'est pour ça que je me suis excusé de me plaindre. Parce que toutes les deux secondes, j'étais en mode, ah, les gars, j'ai pas de flèche, quoi. Je pétais les couilles, je devenais trop chiant. Bon, c'était bien sympa, le petit arc coop qu'on a fait, là. Je viens de voir le décor, je préfère l'ancien. Ah ouais? Ça marche. Il y a des améliorations à faire, mais j'ai bien aimé votre expérience au coop. Bah, moi aussi, j'ai bien aimé, hein. Le gameplay full archer n'est pas prévu pour être joué sans épée. Ouais, c'est dommage. Pareil, tu vois, il y a des petits hybrides intéressants qui pourraient être un peu plus poussés, comme le mage de combat. C'est un truc que j'adore, moi, dans les jeux. Je trouve ça trop cool. En fait, une espèce de chevalier, mais qui a une arme élémentaire et un bouclier élémentaire. Et quand il tape, ça fait des chaînes d'éclairs. Ou alors, il a une épée en feu. Ça va ? Ouais, ça va bien. On vient de finir Unshrouded, là. Non, mais moi je pense qu'on a fait le tour des boucles de gameplay entre guillemets. Et je suis en mode, ça sert à rien d'aller plus loin, c'est un early access, voilà. Et j'ai dit 6,5 sur 10. 7. Parce qu'en gros, belle découverte, mais trop de problèmes de quality of life. Et pour moi c'était frustrant. À la fin j'étais en mode, je suis au taf. Mais potentiel. Ouais, mais de ouf par contre, potentiel 9 sur 10, vraiment. Je préfère Unshrouded. Ah ouais? Ouais, je préfère Unshrouded. Mais comme tu l'as dit, parce que ça tu l'as dit l'autre fois, je trouve... Valheim plus charmant dans les graphismes. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Et charmant, c'est le bon mot. Ouais. Parce que je trouve pas ça plus beau, mais plus ouais, charmant. Ouais. Ça, plus d'âme, t'es... ouais, carrément. Voilà. Okay. Mais tu vas kiffer quand même, je pense. Tu vas kiffer, c'est sûr. Ouais. Voilà. Alpha, il va le faire, bien sûr. Il risque de le faire avec Zera, probablement en duo. Parce que du coup, Zera pouvait pas le faire en même temps que nous à la base. On devait le faire avec Alpha et Zera. Sauf qu'ils n'étaient pas dispo tous les deux. Donc on l'a fait avec Lapi et Juice. Et eux, ils le feront plus tard. Parce que je trouvais ça plus intéressant de faire le jeu quand il est sorti. Valheim a une DA très personnelle, Unshrouded, tu as déjà vu la DA. Ouais, moi je trouve que Valheim, et je suis très d'accord avec Alpha, il avait dit que le jeu était plus charmant, et je trouve que le mot est bien choisi, tu vois. C'est le charme de Valheim, il a un charme. J'aime bien. Ça me plaît. Je commence à dual build Archer Mage, c'est prometteur. Trop cool. Et voilà la période entre arcs qui est arrivée. Oh là là, c'est le Sage. C'est le sage. Non, les gars, j'ai une bonne nouvelle! Alors, on va regarder un jeu. J'ai reçu un DM X tout à l'heure. Un DM Twitter. Faut que je dise ça, c'est bizarre, un DM X. Il y a un développeur, je vous lis, qui me dit: invitation alpha ouverte de Dungeonborn, entre parenthèses, jeu numéro 1 de la prochaine édition du Steam Fest, en février. Bonjour, je te présente Dungeonborn, qui est un dungeon crawler. Looter avec un système d'extraction, avec une ambiance de slasher old school, s'inspirant des jeux tels que Diablo, World of Warcraft et Escape from Tarkov. Oh, le gosse à trois bras. L'alien. Mais en gros, c'est un extract FPS médiéval fantasy. Donc, un petit peu à la Dark and Darker. Et le 3 février, il y a l'ouverture de l'early access public ou de la bêta ouverte, je sais pas comment ils l'ont appelé. Et ils m'ont invité, du coup, on va regarder le trailer ensemble. Et là, parce que moi, j'ai même pas regardé le trailer, donc là, je me suis même pas spoil, les gars. Et le 3 février, on va jouer à ça, donc c'est le nouvel arc, c'est sûr. Et au milieu, je pense que je me calerai un petit Undertale, en vrai. Je me calerai un petit Undertale là-dessus. Je vous mets le trailer du jeu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que même moi, j'ai pas vu, donc no spoil. On écoute, on regarde.
petite ambiance Dark Souls là qui me... Pas mal hein, moi j'aime bien. Donc c'est du CGI je suppose, pas des Imagine Game. Même si en vrai, on est à deux doigts, bon pas ça, mais on était à deux doigts de faire des images aussi belles in-game, ouais. On est pas loin ouais. On a quand même bien progressé niveau graphisme, hein. Globalement dans la vie, je veux dire. Oh, c'est joli. Bon, par contre ça lag, hein. 30 FPS, hein. Oh ça me plaît. Oh c'est lourd. Ok, ça va être stylé. C'est vraiment Dark and Darker par contre, hein. Vas-y, why not, hein. Oui, c'est du multi. En gros, pour vous expliquer, c'est le même principe que Dark and Darker. En gros, c'est un PVPVE, un extract FPS PVPVE. Donc en gros, dans l'idée, t'es en FPS comme ça. Tu fais ton personnage à l'avance dans ta stage, tu le stuff comme tu veux. Tu pop dans un donjon, tu fais ton donjon et dans le donjon, il y a d'autres joueurs aussi qui se baladent. Et le but, c'est d'aller tuer des mobs, looter, tuer les joueurs pour récupérer leur stuff ou quoi, et t'extraire du donjon pour aller ranger dans ton coffre, en gros, les items et revendre les items, te faire de la thune, acheter du mieux, etc., etc. Et après, tu retournes à l'intérieur. Et en fait, la classe de ton perso dépend de ce que tu lui mets comme item sur lui. Donc si tu lui mets un livre d'incantation, il va devenir un mage. Un bâton de feu, bah, c'est un mage de feu. Tu lui mets un épée et bouclier, un stuff de plaque ou quoi. Donc c'est un Dark and Darker. C'est pas un Dark and Darker like, parce que Dark and Darker a rien inventé. Mais c'est dans le même style en tout cas. Non mais je pense l'inspi World of Warcraft, ça vient du côté Heroic Fantasy. Mais il va le raconter. Non mais je comprends, c'est bien de aussi de prendre des trucs qu'on connaît pour faire des parallèles aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai utilisé Dark and Darker aussi comme exemple. Hein. Et lui, il va le backstab, il va le tuer. Bien sûr, car c'est un jeu de trahison aussi. En tout cas, je pense que ça sert à rien. Il repart avec le stuff en légende. Ouais, donc il y a le même principe que, je suppose, Dark and Darker avec les étages. Voilà, et donc ça c'est le 3 février, il m'a dit. 2 février, voilà, je viens de mentir, j'ai menti. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Je viens de mentir là. C'était le 2 en fait. La fin de la vidéo le montre, on peut aller dehors. Ah, j'aimerais bien, effectivement, ça m'a aussi un petit tiqué ce que t'as dit. Donc c'est, il a menti, OMG, c'est demain, après-demain. C'est après-demain, donc demain, Undertale je pense. Et après-demain, Dungeonborn. A voir si on fait plus d'un live dessus. Mais ouais. Voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je pense que demain, Undertale. Je pense qu'on parle là-dessus. Tiadofy, là, je sais pas. Hop, pardon, excusez-moi. Ok, c'est énorme. Alors, bon, du coup, maintenant que c'est fini, là... Ouais, je me suis échappé parce que j'en pouvais plus. En vrai, j'en pouvais plus. J'en avais marre de faire les plantations et tout. J'étais en mode, là, ça tourne en rond. Ça commence à tourner en rond et ça m'a un peu pété l'ec. J'admets. Je dois admettre. Non, mais là, je regarde ma liste de jeux et tout. Je sais même pas... Je sais même pas s'il y a un truc qu'on peut lancer en se disant, c'est bien. Hein. Je suis le gars des plantations dans ma game, ça me pète l'ec aussi. Mais je comprends. Hein. En fait, ça se fait, tu vois. C'est juste, vas-y, c'est barbant, quoi.
Genre, tu fais tout le temps la même chose, t'es là, tu spam-click comme un connard, t'essaies d'aligner les trucs. Par contre, Doka, je sais pas si t'as vu, mais moi je savais pas, hein, mais le sol agricole, ça permet vraiment de faire pousser plus vite les trucs. Et tu peux même faire du sol agricole fertilisé pour que ça pousse encore plus vite. Comme ça, tu restes encore plus longtemps dans tes champs, c'est un régal. Et il faut prendre ton marteau et t'en poses au sol. Ouais, je savais pas. Ben moi, j'ai découvert ça, mais tard, alors qu'en fait, c'est écrit sur l'item, tu vois. C'est écrit sur l'item, j'ai juste pas lu. Ouais, pareil. Je pensais que c'était que pour les semis et je pensais que c'était que pour le décor, d'ailleurs, moi. Je pensais qu'en gros, tu pouvais prendre ton marteau et l'utiliser comme matériau de terrain juste pour faire joli, quoi. Salut Kenny, quel conseil pour passer une rupture selon toi ? Pour moi, en gros, il faut juste que... En fait, c'est trop facile à dire parce que c'est toujours dur ce genre de moment, tu vois. Mais moi, ce que je ferais à ta place, pas dit qu'il faut que tu le fasses, mais ce que je ferais à ta place, c'est simplement que tu trouves un truc qui te plaît dans ton travail, chez tes amis, même si c'est un jeu dans lequel tu t'enfermes, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, préférablement le travail et les amis, évidemment, mais il faut que tu trouves un truc qui te donne envie, qui te fasse vibrer un peu, tu vois. Je te dis pas d'essayer de passer Master League of Legends parce que sinon tu vas devoir rompre avec League of Legends après, il va falloir recommencer le processus. Mais en tout cas, c'est le temps en fait qui va soigner ça. C'est le temps, frérot. Juste le temps. C'est tout. Et c'est pour ça que avoir un projet de boulot, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou passer du temps avec ses amis. Voilà, c'est tout. Et moi, par exemple, je sais que je serais du genre à faire ça, tu vois. Je serais du genre à me dire... vas-y, je stream 20 heures par jour, ou alors je stream pas pendant une semaine, mais je bosse sur des vidéos YouTube, je sais pas, je m'enferme dedans, je me mets en tunnel vision, je réfléchis qu'à ça, et c'est tout, quoi. Et en fait, une fois que t'as fini ça, généralement... Enfin, tu sais, c'est un peu un tunnel, tu vois. T'as la montagne de merde ici, t'as la montagne du soleil, et en fait, ça, c'est le tunnel qui te laisse passer d'un côté à l'autre, quoi. Rush ciel sur TST, ça va aller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. En gros, faut trouver quelque chose qui va te faire passer le temps plus vite. Ouais, mais aussi qui demande de beaucoup faire fonctionner ton cerveau. Ou alors qui t'accapare l'attention un maximum. Mais je déconseille fortement, encore une fois, les Rush Master League of Legends et vas-y, je me mets dans Naruto, tu vois. Et j'ai jamais regardé Naruto, je vais me faire 500 épisodes de Naruto. C'est pas une bonne idée. Parce qu'après, tu te sens comme une merde à avoir rien fait, entre guillemets. T'es un peu en mode, qu'est-ce que j'ai fait de ma life, tu vois. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais, prends un truc qui te change les idées. Mec, un vrai truc, par contre, si tu sais pas quoi faire, t'es en mode, ouais, j'en sais rien. T'es en mode, ouais, j'ai pas de boulot. Ou alors, ouais, vas-y, mon boulot me passionne pas. Ou alors tu vas me dire, j'en sais rien, je suis manager dans une pizzeria, j'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je m'en focus au boulot ? J'en sais rien, tu vois. Apprends des nouveaux skills. J'en sais rien, si un jour tu t'es dit, vas-y, ça m'intéresserait de monter des vidéos, apprends à monter des vidéos, monte des vidéos. Je sais pas, apprends des nouveaux skills, ça va m'être trop bien. Ça m'est trop bien par contre. Ça fait grave, grave, grave passer le temps. C'est trop lourd et en plus, c'est hyper épanouissant, je trouve. Et du coup, en plus, c'est pas perdu parce que, en fait, tu vas le garder toute ta life, tu vois. Tu vas le garder toute ta life, donc c'est bon, tu vois. Voilà, fin de l'explication. Oxygène not included pour oublier. Je me suis mis sur Unity pour train. Ça, par exemple, ça, moi, j'adore faire ça. En ce moment, j'adore faire ça. Bon, j'ai pas de rupture, mais moi, j'adore. J'ai appris un peu Unreal Engine 5, Unity et tout. Je me mets des fois dans des trucs comme ça où je me dis, vas-y, j'ai envie de train et tout, d'apprendre des trucs comme ça. C'est un peu dur parce que je suis pas un très bon développeur ou quoi, mais... Mais bon, voilà. D'ouf, j'avais appris le cruiser board, moi. Ouais, mais voilà. Par exemple, genre un instrument de musique. Instrument de musique, c'est Pixel. C'est Pixel. Unity est trop bien pensé. Bah, je trouvais plus facile l'Unreal Engine 5. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je m'y suis mal pris. Mais j'ai trouvé plus facile l'Unreal Engine 5 d'utilisation. Je m'y suis probablement mal pris. Après Unity, j'ai fait 4 jours hein, dessus. Unreal Engine 5, j'ai fait genre 2 mois. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je trouve plus simple Unreal Engine 5, en vrai. Dungeon Board, c'est son jeu, en fait. C'est vraiment mon jeu, hein. Après, mec, si vraiment tu sais pas quoi faire, effectivement, pendant ta rupture, mec, tu peux liker toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, VOD,
toutes les vidéos de ma chaîne YouTube principale. Tu peux aller sur mon TikTok, liker tous les TikTok, tous les regarder les uns après les autres. Tu peux activer la cloche sur cette chaîne Twitch, je sais pas, il y a plein de trucs à faire, frérot. Tu me demandes, je t'en trouve des choses à faire. Ah ouais, hein. Les affaires sont les affaires. Non, ça, les contenus TikTok, il est bon, hein. En vrai, je me tape toutes tes vidéos et puis voilà. Non, je te conseille pas ça. Sincèrement, je te conseille pas ça. Tu peux regarder mes vidéos si tu veux, mes VOD et tout, mais t'enferme pas là-dedans. T'es pas, sois pas en mode OMG, je vais me faire toutes les VOD. Ça, vraiment, passe du temps avec tes amis, apprends des nouveaux trucs, fais du travail, je sais pas. C'est pas le mieux. Comme je t'ai dit, te regarde pas Naruto 500 épisodes, ça veut aussi dire te tape pas toutes mes VOD, tu vois. Je vais me faire les vidéos à côté du taf. Ah, ça, tu peux. Ça, c'est du sale. Fais du travail. Ouais, je sais pas, j'ai lâché une phrase d'homme de Cro-Magnon. Vous avez compris. Bref. En tout cas, j'espère que ça ira mieux, frérot. Et ça compte aussi pour tous ceux qui nous entendent en ce moment sur cette même chaîne Twitch et qui vivent la même chose, qui n'ont pas osé parler dans le chat. N'hésitez pas, prenez ces conseils aussi bien bons ou mauvais soient-ils. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et si vraiment ça va pas, n'ayez pas honte d'aller demander de l'aide à des professionnels. C'est jamais trop tard. Petit créneau libre antenne ou je sais pas. Hein. On discute là. Hein. Il est sur Rocket League. Vous pensez ? Tu penses que je suis sur Rocket League, là ? Ça a racheté Unshrouded ? Non, pour moi, je suis arrivé au bout de ce que j'avais envie de voir. Et en gros, je savais que c'était aujourd'hui ou demain la fin. On m'a dit, MDR, t'as tellement encore de trucs à découvrir. Et au bout de 3 heures de live, j'étais en mode, ok, j'ai découvert ce que j'avais envie de découvrir. Fin. Merci beaucoup, Damo Dams. Merci et re-bienvenue, hein, si tu repasses. Régale. Rupture après 7 ans, un appart, un chat et un Pax. On se relève, t'inquiète. Ouais, je te jure, hein, j'ai vécu quasiment la même chose à une année près sur ma dernière rupture. Et ouais, c'est... On s'en remet. Tranquille. Go Foxhall XD. Ah ouais, un petit jeu là qui dure 30 minutes, genre. Foxhall, par exemple. Pokers. Mais le problème, c'est que je n'ai plus envie de jouer à Rocket League en live. C'est vraiment un truc où je me dis... Déjà, c'est moche, Rocket League en live. Ça, faut vraiment que les streamers Rocket League le comprennent. Hein. C'est une bouillie de pixels, c'est infâme, c'est indigeste. On en a marre. Hein. D'ailleurs, apparemment, il y a les nouvelles la bêta là, des trucs avec les nouveaux, le nouveau bitrate, le nouveau codec de stream. Avec les nouvelles CG, là, la nouvelle technique dans la carte, la nouvelle technologie dans la carte graphique qui va arriver, avec le nouveau codec et tout. Et du coup, ça nous permettrait d'envoyer plus de bitrate de base sur Twitch pour avoir un meilleur taux de rafraîchissement et donc moins de pixels à l'écran, enfin moins de bouillie de pixels. Et en gros, pour le même bitrate, avoir une meilleure qualité avec le nouveau codec. Voilà. En gros, c'était ça le... Mais réservé Nvidia. Ouais, mais c'est pas grave. Mais en gros, il y a ça qui va arriver. Alors peut-être que les live Rocket League seront regardables un jour. Je sais pas. Au go objectif 200... cycle 250 sur oxygène. Non mais c'est pas possible en fait. Si je lance une game oxygène not included, l'équipe, je peux pas la terminer avant le 2 février. Et le 2 février, il y a Bloodborne. Donc en fait, il faut que j'ai envie de jouer au jeu Day One, j'avoue. Il y a un geyser à traiter. Non, mais surtout qu'en plus, je sais pas si le late game d'Oxygen Not Included m'intéresse tant que ça. Non, mais on a fait un petit arc Oxygen Not Included récemment, là, faut pas abuser. Pas abuser, comme ça on pourrait y retourner en plus. D'ailleurs, Rocket League sur Unreal Engine 5, ça dit quoi? N'importe quoi. C'est pas Bloodborne, non, Dungeonborne, pardon, pas Bloodborne. J'ai dit Bloodborne, my bad. Undertale demain, je pense. Undertale demain. Après, on peut peut-être faire le début maintenant, mais c'est pas très bien. Je pensais mieux de faire tout en un live, non? En vrai.
T'as rien vu des fusées, c'est le meilleur ajout du jeu, Imo. Ah ouais? Ok. Ok, ok, ok. Putain, les fusées, t'as écrit les fusées, ça m'a donné envie de jouer à Kerbal Space Program, mais je pense que c'est toujours aussi gaze, hein. Y a pas eu de nouvelles mises à jour depuis la grosse mise à jour qu'ils avaient fait, hein. À mon avis. Kerbal Space Program 2, il y a eu un patch note. Fixe un milliard de trucs. Moi, je veux faire une campagne full chill et tout. Je sais pas, je veux le mode campagne, en fait. Tiens, Against the Storm, la viteuf. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, c'est invivable. L'équipe, j'ai envie de restream du skate sur la chaîne. Voilà, je vous le dis, j'ai envie de restream du sport sur la chaîne. J'ai envie de vous amener au skatepark avec moi. J'ai envie qu'on chill, j'ai envie qu'on rencontre les gens là-bas et qu'on parle avec eux et qu'on s'amuse. C'est mon rêve. C'est mon rêve le plus cher. En ce moment-là, j'ai trop envie. Surtout que là, il va commencer à faire beau. Il va commencer à faire beau, je pense que vous allez vous taper. Des fois, je vais vous dire rendez-vous demain 15h. Et en fait, ce sera un live IRL, je serai au skatepark. Hein. Je pense que c'est ça qui va se passer. Hein. Et ça va être un live discussion avec les gens sur place et tout. Et puis c'est tout. Hein. Et de skating. Hein. Mon rêve. Hein. Recommence surtout à faire jour, c'est clair. Let's go avec ma new juice, là. En vrai, ce serait cool, mais c'est vraiment un sport particulier, le skate. Faut vraiment avoir envie de se tuer, quoi. C'est ça, le problème. Petit local tour en skate? Non, ça arrivera jamais, ça, je pense, les gars, le local tour. Une rampe dans le local. Ouais, je pense. Comme ça, Zerator me tue jour 2, genre. Et toi, le skate? Mais vous savez que lui, ça l'amuserait, je pense. Hein. Premier degré, hein. Celui qui a la santé la plus fragile, qui est le plus chaud, hein, je pense. Problème, Juice va péter la planche. Ouais, il va se battre contre la planche, je pense. Tellement bien cette track. C'est Mother, ça, non? Ouais, quel régal. Tellement lourd. Tellement du sale. En tout cas, ça fait du bien, là. En vrai, je suis un peu content d'avoir fini l'Arc Unshrouded parce que j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'avais peur d'être emprisonné trop longtemps dans ce truc-là. Dans le sens où c'était sympa, mais vas-y, j'ai capté, tu vois. Et en fait, une fois que j'avais compris qu'il allait pas y avoir de dinguerie, je me suis dit, bon, je vais aller au bout du contenu pour être avec les frérots, mais j'ai quand même hâte du prochain jeu, quoi. Genre, ça m'a pas transcendé. C'est pour ça que je lui ai dit 6 sur 10 au jeu, hein. Ça m'a pas trop transcendé. Il paraît que le jeu Tony Hawk sur PlayStation était un super jeu de skate. Ouais, c'était très bien. C'était très très bien. Mais pour moi, le jeu Tony Hawk, il y a aussi une histoire de contexte. Contexte ? Point d'interrogation ? Non, mais en gros, il y a une époque où c'était bien de jouer à des jeux comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, quoi. On préfère des jeux de simu ou alors des jeux de simu marrants plutôt que des jeux complètement arcade dans lesquels tu vas chercher SKATE dans une map qui ressemble vaguement à Brooklyn dans lesquels t'as un mec qui saute d'un bâtiment, je sais pas comment dire. Ouais, c'est Sion ou Skate, tu vois. C'est vraiment les deux jeux qui pour moi intéressent plus aujourd'hui. Après, ça reste une niche, hein, le skate, globalement. Ça reste une niche. Le jeu a vieilli. Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. Après, je suis peut-être fou, hein. Mais moi, j'ai hâte, en tout cas, du nouveau skate qui va arriver, là. Hein. Skate 4. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas trop envie de me spoil en allant faire l'alpha. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont proposé des accès et tout. Mais j'ai pas trop envie de me spoil. J'ai envie de découvrir le truc le jour où ça sortira. Je sais pas trop. Skate 3, Skate 4. Donc ouais, je sais pas. Putain, OMG, une petite game de League of Legends là ? Non, on va pas faire ça quand même. On va quand même pas le sortir une petite game de League of Legends là comme ça, soudainement. Je suis chaud de faire un petit LOL là. Une petite DER là. Tiens, d'ailleurs, j'ai jamais joué à TFT. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Peut-être c'est nul en live, hein, je sais pas. Peut-être c'est gaze en live. Non, en vrai, il y a pas mal de gens qui live ça. Ça doit pas être gaze, mais j'y comprends rien. Le retour de l'insecte. Est-ce que Kha'Zix est méta ? Est-ce que Kha'Zix est méta ? C'est la question que je vous pose. Ouais ? C'est quoi le stuff aujourd'hui ?
Non, je vais taper Kha'Zix build. Kha'Zix build. 14.2, je crois on est. Kha'Zix build 14.2. Alors, ouais, ça joue First Strike, ça joue avec Voltaic Cyclosword. First item, Voltaic Cyclosword into Yumu, into Hubris. Pas OP, mais ça marche bien. Ah, ok. C'est quoi les junglers OP, là? Je veux jouer un jungler OP, moi aussi, je veux être un metaslave un peu, là. C'est quoi les bails? Maokai, c'est OP? Pourquoi c'est OP Maokai? Lilia, putain, j'ai jamais joué Lilia, les gars. Brand. Ouais, en fait, le problème de Maokai, c'est que j'ai pas envie d'être un team player, j'ai envie de prendre la game et de la péter en deux, en fait. Rengar et S+, aussi. Ah mais je suis moins fan du gameplay de Rengar que du gameplay de Kha'Zix, tu vois. Xin, ça pourrait te plaire. Xin, ça peut me plaire. Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer Xin. On va essayer Xin en...